Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Marc, bonsoir Donovan, bonsoir Elbarto, bonsoir Diogène, bonsoir à ceux qui sont présents, bonsoir à ceux qui regarderont la rediffusion, mais également à vos petits copains sur YouTube. Et ce soir, on est samedi soir, et comme tous les samedis soirs, je suis avec la team de la Légion de Nirn, pardon, putain, je vais pas y arriver ce soir, hein, je rame. Mais je suis en compagnie de Falcat. Je suis avec Falcat et Princesse. Et Princesse, bien sûr, qui est morte de faim, qui veut absolument. Oui, l'encre. Est-ce que t'as déjà les bijoux? Négatoire. Oh, mais faut y aller alors! Non, mais c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop non, tard. Non, mais fais-lui plaisir, non. Écoute. C'est trop tard. C'est trop tard, regarde, ça y est, c'est fini. C'est trop tard. Tu vois, voilà, c'est fini. Non, mais elle est têtue, tu sais comment elle est. Elle va dire on bourre, et voilà. Alors, niveau cosmétique, je me suis fait une petite tenue pour mon orque. Montre-nous, pas tu es... pitié que... Hanneton. Que tu sois magnifique, ma chérie. Oh. Mais c'est la pratiquement c'est pratiquement toute la tenue orque ancestrale. C'est pas celle du roi orque? Non, c'est orque ancestrale. Ah ouais. Ah, les épaules peut-être sont différentes, effectivement. Mais au niveau des hanches, c'est vachement ressemblant, je trouve. Ok, ah bon, elle est jolie en tout cas. Ouais. Voilà, c'était la petite minute. De la soie gris. C'est ça. Bonsoir Marc. Comment tu vas, mon grand? Coucou chaton. Alors. L'objectif de ce soir. C'est. De pas se gourer de 7. C'est ça, ça sera déjà pas mal. Et il faut. Ouais. Faut savoir que ici... Non, j'ai rien dit. Parce que sinon, il y avait... Non, c'est dans un autre qui est à l'apiculteur, qui est très intéressant aussi. Oui, mais tu peux toujours le signaler qu'il est très bien. C'est pas un souci. Et Julie, pour ton set, pour le tank, essaye de regarder aussi... Mais il est fait. Ah, tu l'as il fait est prêt, il est dans la banque, tout est fait. J'ai rien dit. Non, mais sinon, t'avais... On parle de princesse, hein, mec. Sinon, t'avais le guerrier poète qui pouvait être aussi intéressant. Le guerrier poète qui est facile à obtenir quand même. Hein. Ouais. Pour un autre reroll peut-être. Ah, c'est pour un tank. Ah oui, le guerrier poète. Ouais. Bah, je l'ai porté pendant un. Bah, je la porte encore. Hein. Je crois que j'ai encore les bijoux du guerrier poète. Si je dis pas de conneries, il faudrait que je vérifie sur Jarvin. Bah, non. Non. Enfin, je l'ai porté pendant un temps, le guerrier poète. Hein. J'ai porté pendant un temps. Alors, je vous propose l'antre juste à côté qui n'a pas été fait normalement. Yep, je confirme. Et on n'a pas pris les clans non plus. Et le boss plus loin. Allez, vendu. T'étais obligé de mettre des rastas? J'aime pas. C'est une nordique. Non, c'est une jamaïcaine. Elle fait du bobsleigh, mec. C'est nordique, si j'en sois bizarre. Non, mais j'aime bien, ça permet de retenir tes cheveux, donc ils te gênent pas, tout en les gardant longs. Et Franck. Oui. Si tu veux, tu attends tout le monde. Mais j'étais en train de regarder le sac qui était là. Dans les antres, t'as toujours des sacs, donc je récupère ce qu'il y a dans les sacs. Vous voulez qu'on fasse la quête en speed? Ah ben, faites-la. Mais tu l'as déjà fait pour, hein. Ah ben oui. Avec celui-là, oui. Oui, avec celui-là, tu as fait. Ah, celui-là, j'ai tout fait. J'ai tout fait, tu entends. Ah, c'est ton main. Ouais. Oh. Putain, j'allais dire, il y a un joueur, mais en fait, non, c'est Tamiri. Le mec trop nerveux. Fait plaisir. Voilà, c'est fait. Merci, monsieur, dame. Bonjour. Okidoki. Oh, la modification artisanale des elfes noirs.
C'est vrai que ça fait pas 20 fois qu'on l'a, quoi. Oui, mais il faut la mettre en banque. Ouais, bah je la mettrai en banque. Hein. Si tu veux que j'en fasse, je vais pas la garder. Hein. Pour les rerolls, c'est intéressant. Ouais. Y'en a pas beaucoup qu'on fait des rerolls d'ailleurs dans la guide. Ah, si. Ah bon, qui? Bah, Balrog. Tout le monde. Balrog dessus. Ah, pas tout le monde, non. Sauf les derniers arrivés. Hein. Tous ceux qui ont atteint le level 50 à peu près, oui. Ah oui. Mais oui. Tous ceux qui n'y sont encore pas fait. Attendez, la bibliothèque. D'accord. Bah fuck oui, la, fuck la... Non mais fuck la culture quoi, c'est tout. Je comprends. Ah merde, on s'est trompé de route. Vous avez fait fausse route. Bah y a l'éclat qui est de l'autre côté. Ah mais attends, il y a la... il y a... y a un coffre. Il y a un coffre. Oui, c'est il, mais il a... Ouais, non, mais laisse tomber, il a déjà été vidé, en fait. Simplement, il a pas pu tout embarquer. Ce n'est pas parce que je suis ouais, ou il a pas pu tout embarquer. Voilà. Alors, ne bougez pas, je vais chercher la sève pour vous. Allez, hop. Voilà. Mais vous êtes où? On est en bas. Mais, princesse, tu l'as fait, toi aussi, la quête? Oh là là, et... Je suis en train de la faire. Mais, qu'est-ce que vous faites, là? Vous êtes bloqué? On est bloqué. Ah ouais, vous étiez tous les deux avec les armes en l'air. D'accord. C'était, c'était rigolo parce que vous étiez vraiment, comment dire. Oui, ça arrive, c'est un bug visuel. Oui, mais c'était sympathique. Alors, sympathique, distrayant. Ça c'est fait, on peut faire demi-tour. Non, on peut douter. Il y a des gens qui sont morts. Ah oui, c'était ça, les points d'expérience. Je me suis dit qu'on nous les donnait gratos, tu sais. Et parchemin? Vous l'avez pris? Bah, le parchemin à couronne, bah oui. Ah. Oui, oui, oui. Il me reste une heure. Presque, 56 minutes. Maintenant, on peut aller pouler le boss. C'est ça. Oui, tuons-le. Ça va aller très très vite. Puis comme on est trois, on lootera... Enfin, il y a plus de chances qu'on loot rapidement le trameur. Le 7. Ouais. Ouais. Bah. Il nous a fait un screamer, lui. Non, il n'y a que toi qui l'a... Ah oui, non, il n'y a que toi qui l'a gueulé. Hein. Non mais pas de soucis hein. Ah. J'allais dire y'a un joueur dessus mais non. Alors. Oui, les bottes du salut. Merci. Faut drop terre. Attendez, hop. Baudrier du trameur. Je l'ai le baudrier. Oh merde. C'est ça, fuck. Alors, je vous laisse faire le tour de la pièce, je vais juste lier les bobottes que je viens de récupérer, histoire de pas les relooter. Ah bah non, je les avais déjà, la blague. Merci. Oh, ok, ça c'est fait. Alors moi j'ai la quête à rendre aussi. Doupidou. Ah, nickel.
au-dessus. Oui. Oh merde. Quoi? Quoi? T'as pas pris le truc? Alors j'ai pris la sève, sauf que la sève il faut le rapporter au mec. Ah bah attends-moi. Qui est de l'autre côté du donjon. Bah attends-moi, ah. J'arrive, parce que moi aussi il faut que je lui rapporte. Moi je m'attendais à ce qu'il soit à l'extérieur. Bah non, mais c'est pas grave, allez. Bah non, mais il faut suivre. Vous avez pas la minimap? Si, mais la minimap couvre pas tout le donjon. J'ai pas fait gaffe. Moi je suis. On est bientôt arrivé? Pas encore. On est bientôt arrivé? On a fait la moitié. Je suis fatigué, j'ai pipi. C'est quoi le mieux? Le mieux c'est par là. T'as qu'à faire contre un arbre. Il y a pas d'arbre dans un donjon. C'est quoi ça? Ah. Oh. J'ai disparu. Oh. Ah, chais. Ouais, c'est ça. C'est bon. Allez, on lui ramène. Oh. Oh. Putain, je prends un niveau. Bravo. Comme ça. Falcat, il tue les gens et moi, je prends un niveau. C'est ça. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Escorter? Oh putain, faut le ramener. Faut le ramener dehors. Ah, oui, c'est ouais. Bon. Faut le ramener à l'entrée. Allez, on est reparti. Et c'est reparti. Bah, le plus simple, c'est de passer par le boss. Hein. Oh bah oui. Ta fille. Bon, si au pire il est réapparu, on le pull une deuxième fois. C'est ça. Ouais. Mais normalement, tu n'as pas de. Ouais, ah, il est pas réapparu. Ouais. Tu n'as pas le loot. Ouais. C'est un peu l'arnaque. Ah, bah, sinon, ça, tu aurais des milliers de joueurs qui camperaient. Oui, ça deviendrait insupportable. Mais c'est vrai que quelque part ils le font quand même. Rappelle-toi, c'était à Bancorin, non, qu'on avait vu un attroupement de glandus. Sur le boss de zone, ouais. Ouais, peut-être. Oui, sur un boss de zone, ouais, peut-être. Il est où le. Ouais, ça voit là. Escorter Daniel. Ah bah voilà, lui parler. Il est où? Bah. Tu vas pas me croire. Den et Malampon, c'est notre dernier. Nous avons la sève, mon frère. Une visite chez l'alchimiste et tu te portes. Et voilà. Oui. Accomplissez une quête. Volonté journalière accomplie. Oui. Si on arrive à choper le dolmen, ce serait bien aussi. Ouais. Pour les bijoux. Oui, oui. Pas pour la gloire. Hein. Regarde, on dirait. Regarde, on dirait un cochon truffier. Regarde comment elle regarde les domaines, t'as vu? Ouais, mais. C'est pas là. Pourquoi tu lui brises tout de suite ses rêves comme ça? Là, c'est le boss. Ah, ça va être moins drôle. Je vais t'appeler comme ça maintenant, princesse. Lys des cimes. Alors, on y arrive, ma petite Lys des cimes. Mais c'est censé être une insulte ou... Ah non, pas du tout. Parce que je trouve ça mignon. Ben oui. D'accord. Mais clin d'œil, quête principale. L'iris. Ah non, c'est l'iris. C'est l'iris, hein, c'est pas Lys. À un moment donné, il l'appelle ma petite Lys des cimes. Oh. J'ai pas suivi, je suis pas les dialogues. Je sais pas ce que c'est un dialogue. Je préfère les monologues. Et généralement quand c'est court, du style ah pitié, me tuez pas. J'ai besoin de soins. Putain, combien de fois on l'a entendu celle-là? Ouais. Ou encore tu l'entends quand ils sont morts déjà. C'est rigolo. Et bonsoir Tanar, comment vas-tu? Hello!
Salut. Yes. On est bientôt arrivé. Ouais. Oui. Il faut savoir que ce boss donne une piste, il me semble. Ah ouais? Ouais. Bien, 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 ça va être bien ça. Ah, il a été fait. Ah non. Ou pas. Ah, ou pas, ouais. Quoique... Ah oui, il a été fait, ouais. Il est... Normalement, il est là. Ouais, mais là, on l'a surtout dans l'os, pour le coup. Là, hein, bah, ouais. On va attendre, hein. Oui, oui, certes, certes, certes. Bon, bah, écoutez... Il n'y a pas un trou de pêche? Si, il y a un trou de gauche. Pêche. Bon, ça occupe, quoi. C'est parfait pour patienter. C'est quoi? C'est la mer? Ouais, donc à pas saler. On n'est pas bien là? On tue des gens. Ils nous supplient, ils saignent. On pêche. Oh, un bar marin. Cool. À la fraîche. C'est ça, Tana. C'est ça. On fait ça tranquillou. Détendu. On est à l'ombre en plus. Exactement. Ah bah oui, vous pêchez. Le meurtre, c'est un péché. Et je vous comprends, mon fils. Sauf quand ce sont des hérétiques. Et d'ailleurs, l'église catholique le dit. Hein. Un hérétique égale un point. Ça a bien marché pendant les croisades. Moi, j'ai hâte de la prochaine, hein, parce que ça en fait des points après. Au bûcher des hérétiques, c'est ça. Vous savez, je repense à cette scène d'Elysse Moon dans Kaamelott. Je le trouve génial. En inquisiteur, il est fantastique. Vous savez, on est en train de pêcher tranquillou, mais non, le boss il est pas prêt de repoper de suite. Quoi. Non, non, j'ai un œil dessus. D'accord. Moi aussi. Non, mais dans le doute, c'est pour ça. Si vous voulez, la prochaine fois, on fait un Stardew Valley. Hein. On peut pêcher aussi. Hein. Ah merde. On n'a pas un peu plus loin de trou de pêche? Ah bah ici, juste à côté du boss, parfait. Allez, le premier qui pêche un caviar parfait. Mais tu peux pas pêcher le caviar parfait. Non, non, je sais, mais le premier qui le chope, en fait. Parce qu'on va les dépiauter après les poiscailles. Plus le poisson, c'est bon pour le cerveau. Oui, c'est ce qu'on dit. Moi, j'aime bien. Pas tous les poissons. J'aime bien le thon. Vachement bon, le thon. Vous êtes poisson, les enfants? Ouais, ça va. Ouais. Saumon. Oui, oh, bah, ça. Alors, moi, j'aime bien le saumon. Et merci, tu m'as enlevé de la bouche. Vous savez, quand on dit chez l'ambassadeur, généralement il y a toujours du caviar. C'est faute de goût s'il n'y en a pas. Saumon quoi. Non, mais on t'a rien dit. Hein. Moi j'achète ma truite saumonée à Lidl quoi. C'est pas un aliment de luxe non plus quoi. Mais je te. Putain. Ah là là, ça marche pas, ça court. Putain, mais c'est presque. Mais tu sais, des fois je me fatigue. Ça me fatigue en fait. C'est vous qui me fatiguez, putain. L'espadon, c'est bon. L'espadon, c'est vachement bien. On met 4 dessus, ça va vite. On va afficher. Non, non, il a pas réapparu. Il faut aller à. Franck, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher l'éclat. Ouais, oui, oui, bah le temps qu'il réapparaisse, oui. Ouais, ouais, pendant que Falcat surveille. Vas-y, je suis. Je te colle aux fesses. Il est où l'éclat? Il est au-dessus de la colline. Au-dessus, ouais. Au sud.
Oh, t'inquiète, on bourre, hein, on va vite. Ah, boss. Boss. Ah. Boss. Bon, princesse. Il y a du monde dessus, hein. On saute. Oh, putain. Genre, il y a beaucoup Taillon. De monde. Ouais, ouais. Je l'aggro. Et voilà. Alors, oh, le brise-tête du trameur. J'ai, ah bah j'ai ça, c'est foudre de terre. Ah, yes. Ouais, mais t'as peu de chances de le looter, Julie. Moi, j'ai chopé le bâton, mais je l'ai pas. Associé. Et voilà. Je vous conseille des filets de sole au beurre demi-sel. C'est le petit jus en pilote de velours. Oui, je suis d'accord avec toi. Sinon, c'est excellent aussi, la sole. Mais l'espadon, tu vois, cuit comme un steak, c'est vachement bueno. Princesse, l'éclat oui. Peut-être. On y retourne. On y retourne. Allez. Après, j'ai pas tout du trameur non plus. Ouais, mais si tu vas le looter hein, automatiquement ce qui reste. Hein, donc. Attaque. Votre chair si souple. Mon précieux. Ah oui, toi tu bourres, princesse, hein, même pas. Fuck le système, quoi. Bah. J'ai tué les ennemis qui étaient sur le passage. D'accord. Non, qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais j'y arrive. Oh là là. Mais on fait que discuter, on discute, non ? Ouais, c'est bon, ça, bah, c'est voilà. Ça. Non, mais ouais. Madame, je mange du saumon. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On retourne au dolmen ? Le prochain boss est un peu plus compliqué. Compliqué dans. En quoi ? Il est plus dur. D'accord. Ah, tu te TP ? Ouais. Mais ça va aller ou tu veux que je prenne mon main ? Non, ça va aller. Ça va aller, d'accord. Non, ça va aller. Bon. Bah écoute, tu nous dis. Ouais, c'est bon. Ok, en cours. On a l'air débile quand on s'agite comme ça. Présent. Bah oui, je signale que je suis bien arrivé. Toi, par exemple, t'arrives avec un décalage de 10 secondes. Bon, bah voilà. Certes. Bon, en espérant qu'il y ait personne. Du cuir, Falcat. Ouais, ça marche pas de près. Oh non, mais je discute pas, hein. Tu sais comment je fonctionne, hein. Y'a pas de petit profit. Espérons que personne le tabasse. Putain, mais j'enclenche et il veut pas taper, fait chier quoi. Non, il est pas là. Comment tu sais ? Ils sont pas là. Il y a un livre où je suis Franck. Ils sont là. Ils sont là. Ok. Elle va nous poser des problèmes. Nous devons le tuer rapidement. Ah, la cuirasse du foudre de terre. Putain. La masse du foudre de terre. Et moi j'ai eu le salut. Ouais, parce que non. Tu. C'est celui que tu as le moins, je pense. Chérie, tu m'avais dit que t'avais trouvé un livre ? Oui. Il est où le livre ? Ah, voilà, c'est bon.
Avec le petit sac à dos qui fait plaisir. Ok. Ah, la suite. Alors ce PVP c'est pour quand? Ah bah on n'y est pas. Hein. On avait dit début d'année 2022, non? Ouais, mais il faut que les persos soient prêts. Mais oui, c'est ça le truc, princesse. Si on n'a pas le 7, ça sert pas à grand chose. Eh bah. Non, mais après. Le 7. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête, pardon? Le 7, tu peux l'acheter après, hein. Mais c'est pour économiser. Quoi. Oh bah, je préfère économiser. J'aimerais encore garder un testicule. Non, il est pas super cher. Ah ouais? Non, ouais. 10 000 par pièce, je pense. Seulement? Parce que. Fin... Ouais. Si par exemple si Franck a pas le temps en dehors des lives, autant consacrer un live à trouver le set PVP. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. le Tramer, c'est le set PVP. Oui. Je croyais que c'était le set pour. C'est tellement moche la drogue. C'est. ça fait des ravages dans les rangs de la jeunesse. Hein. Je l'ai utilisé en tant que set PVE, donc je pensais pas que ça serait pour. Ah non, PVP. C'est un full set PVP. Ah ouais. Ah oui, ça t'augmente la pénétration. Et coucou Nat, comment vas-tu? Comment va la petite tribu? Coucou Nat. Salut. Tout le monde est mort. C'est triste, ils avaient peut-être une famille. À gauche. Il y a l'éclat. Ouais, mais il y a des gens là. Il y a des gens à tuer. Oui, tout le monde est mort. Ok. Non. Faut être attentif au coffre, hein, parce qu'on peut looter l'armure. Ouais. Yes, niveau 40. GG. GG. Niveau 40. Ça fait plaisir. Vie. Falcat, est-ce que t'as de quoi lui mettre un nouveau set? Niveau 40 ou. Non, c'est 46. Ouais, c'est 46, ouais, tout à fait. Que pour j'ai gardé niveaux, sérieux. Extrêmement précieusement. Là, il a changé à 36. Ouais. D'accord. Tu t'es fait. Bah, on l'a fait la dernière fois. Ouais. Parce que, en fait, je suis passé de 33 à 39 la fois dernière. D'accord. Non, c'est pas grave. Y'a rien de ce côté. Oui, mais j'ai vu un mob. Bon, bah voilà. Attendez, vous me laissez prendre mes points? Ok. Vas-y. Donc. Okay. Voilà. Oui. J'ai reçu une invitation des indomptables. Je me demande qui c'est. Ah, il faut. Mais c'est niveau 45 l'invitation des indomptables. Ah non, c'est au prochain alors. Bah, je sais pas, il y avait écrit clé des indomptables. Ah non, c'est au 45. Ah ouais? Je pense que ça t'a annoncé la prochaine grosse récompense. Ah ouais. D'accord. C'est le boss. Hein. C'était le boss. C'était, merci. Oh putain, les bottes de salut. Non mais sérieux. Toi aussi? Baudrier. La même chose. Baudrier du Tramar. Putain. Ah. Tuez-moi. Enfin bref. Oh, aïe 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 aïe, ça me patience. Ok. On y va? Ouais. On y va. On s'évacue? Non, ouais, non, c'est de côté. J'aime bien parce qu'on l'a tué et 10 secondes plus tard t'entends toujours le. Attends. Oui. Attends, Julie, je te conseille fortement. Quand tu as arme à deux mains, découpe. C'est l'évolution de Fandoir. D'accord. Te projeter et Fandoir. Tu peux en faire 3 d'affilée. Enfin, 3 attaques légères entre chaque, bien sûr. Ah merde! Attends, je prends le bâton de rétablissement pour l'augmenter. Ouais, pas reste un heal, ouais. Ah ouais. On sait jamais, une blessure arrive si vite.
Ok. Rigolo, hein, une blessure. Et donc le fan noir, tu peux le... Attends, il manque Julie. Ouais. Tu peux stack... 3 attaques. Et en fait, ça te cumule 30 000 de dégâts. Ah, pas mal. Oh bah oui, c'est pas dégueulasse. Hein. Tu vas où, princesse? Il y a un livre juste là. Fort bien. Voilà. Je l'ai débloqué et je vais la faire voir. Ah oh, putain, il y a encore. Putain. J'allais les poulets. Oh, on dirait mon elfette noir, c'est fou. Comme quoi, les classiques de Donjons et Dragons. C'est ça. Tu vas aller où? On va essayer de traverser la montagne. Tiens, si on y arrive. Que la montagne est belle. Attends, il n'y a pas de passage. Oh, il faut faire le grand tour. Ah bon? Ouais. Ouais. Attendez. On va attendre 12 secondes. Oh oui. 12 secondes. Excusez-moi, je mets à profit les 12 secondes. Hein. Et vous pouvez vous TP. Hop. Hop. En cours. Présent. Allez. Moi aussi. C'est parti. Donc normalement, si vous avez pas fait la map, ça va vous faire de l'XP. C'est un fait. Je ne l'ai pas fait avec celui-ci. La guilde a besoin de vous, camarade. Salut Balrog, comment vas-tu? Salut. Salut Balrog. Youhou. Hop là. Ouais, là. Il est en bas? Ouais. Moi, j'ai pas envie de sauter. Non, on va pas sauter. Oh! Y'a moyen de moyenner, vous pensez? Oh, de quoi? Ah non, mais il est fini. Ouais, ça, ouais, ça y est, oui, ça y est, oui. Terminé tôt. Alors, normalement, il est dans une crotte, celui-là. Attendez, y'a un livre juste en face. Il est là. Tu l'as trouvé? Le boss. Ah. Ouais, mais moi j'ai chopé le livre. Il y a personne. Ok, bah je reste en healer. Ah, il y a un coffre là. Yap. Et voilà. Bingo. Oh, gilet en cuir complet magique. Trop bien. Allez, est-ce qu'on prend où vous voulez? Vous ne ferez...
ferai pas de mal à ma reine. Ne résiste pas. Vous me dites hein, si vous voulez que je passe en bâton de destruction. Ah mais c'est toi qui t'as le sang hein. Ah non, ben moi c'est pour augmenter le bâton de... Non, mais tu veux pas qu'on te dise campisser aussi, non? C'est ça. Pourquoi t'es déplaisante comme ça? Ben va te faire voir, qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Non mais la gonzesse. Et vous êtes pas déplaisant avec moi peut-être? Pas à ce point-là, non, je crois pas. Vous avez le droit et moi j'ai pas le droit, c'est ça? Ah non, moi j'ai rien dit, moi ça m'a fait rire, juste. Ah oh, bah, normal, toi tu prends pas le tien. Ah. Rien sur le boss? Mais. On a. Mais. Oh, l'arnaque! Oh putain! On vient pas de se faire. Arnaquer, oui. Si. Intéressant. Quelle arnaquouille. Ok. C'est triste. Bon. C'est pas grave, ça fait de l'XP. Oui. Ouah, le bug! Ouais, j'avoue, là. Et les trois, hein. C'est surprenant. Encore un de nous. Bon, passe encore, mais les trois. Ouais. Oupidoupidou. C'est bon? Bon, de quoi? De suivre. Ah, mais je croyais que vous vouliez attendre pour... Bon, d'accord. Ah non, mais... Si t'as un quart d'heure à perdre, oui. Il veut qu'on aille faire le donjon public. C'est ça. Ça va pas être la même musique. Ah, il y a plein de boss dans le donjon public, c'est génial. Et plein de mobs. On aurait dû le faire dès le début, en fait. Bah, c'est ce qu'on a fait. Mais, non, en fait... On l'a fait sur l'autre région, et ça a été rentable. Hein. En fait, ouais. si tu as bien suivi, on a... Oh, là, on est en train de faire le tour de la map, de haut en bas. Je vais voir, on a commencé ici. Ouais. Ok. Oui, c'est rigolo. Alors, vous avez la quête, normalement, ou elle est pas? Elle est peut-être à l'intérieur, non? Elle est à l'intérieur alors. Parce que moi j'ai rien donc. Ok. Julie? Je récupérais le livre. Ah. Vous aviez un document codé juste devant la porte en fait. Ben moi je les vois pas, je les ai. Oui, toi, oui, mais princesse, je sais pas si elle l'a pris ou pas. Je ne pense pas. Alors, quand tu es face à la porte, juste à gauche sur le tonneau. D'accord. Oui. Attends, Franck. Non, mais je regarde. Je vais pas plus loin, moi, je regarde juste l'intérieur comme ça. C'est good. Alors, moi, je propose les deux à gauche. Pour venir à droite. Faire à droite. Le petit passage au milieu et en montant après. Donc tu veux qu'on fasse toute la partie droite d'abord? Non, à gauche d'abord. Ah, d'abord à gauche? Ok. Ouais, je pense que c'est le plus simple. Ok. Le bâton de rétablissement, s'il te plaît, Franck. Oui, mais je suis en train de regarder les différents bâtons. T'as pris la quête, c'est bon? La quête. Il y avait la quête était là. Non, j'ai pas de quête moi. Non ? Non. Ah, on l'a pas fait celui-là ? Bah non. Si, on l'a fait. Ah, alors ça fait. Donc ça sert à rien. Attends, les boss, ils apparaissent en blanc. Mais si. Ah ouais, on l'a fait. Mais on va pour Julie. Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais tu t'as quand même le loot, hein. Oui, tu as le loot aussi. Oui, non, mais on prend. Bah oui. Tout est bon à prendre. Attends, il y a des... Ouais, il y a des cakes. Allez,
bien. Allez sur ses flancs. Alors qu'elle est toute seule. Mais bon, pourquoi pas. C'est bizarre, avec mon PC, Twitch RAM, mais pas sur ma tablette. C'est un signe qu'il faut changer, vous pensez? Oh oui. Tu penses? Ah oui. J'ai le même problème. Il y a un coffre. Oh. Ouais. Alors attendez. Ok. Je suis en train de prendre le coffre. Hein. Et le boss est pas là, non? Ouais, mais ils sont compliqués, ces boss. Ils pop pas. Et... Pourquoi la semaine dernière? Je crois pas qu'on ait eu tant de problèmes que ça. Oh si. Oh si. Ah bon? Ah oui, qu'on avait fait 3 fois le tour de cette salle. Ah il y a... oui! Il y a un autre coffre derrière. Un autre coffre derrière? Ici. Ouais. C'est bon. J'y suis. Ouais, mais c'est un coffre simple. Ben, ça fout. Oui, oui, c'est pour les points d'expérience, je suis d'accord avec toi. Mais bon, on va pas se mentir, quand ils sont plus élevés, plus c'est intéressant. Ah oui. Ça rame rien sur la tablette, c'est tellement fluide. Franck, sans lag, c'est rafraîchissant. Et quel level, le joueur? 746. Ouais, il faut pas s'éloigner parce que sinon on est mort. Ah putain! Attends. Recule. Voilà, c'est ça. Ah. Ça m'est déjà arrivé. Je sais plus où, mais avec un système de cage à la con dans le même style. Voilà, on va se mettre là. Princesse, t'éloigne pas, hein, parce que je suis d'accord avec Falcat. Non, mais il y a des mobs juste. Ouais, mais si. Parce que lui, s'il tape, je pense que en 3 shoots, c'est fini. Hein. Donc, Et si je vous les ramène? Bah, si tu les ramènes, c'est pas la même. Ah. Ah oui, tu l'as vraiment ramené en fait. Pourquoi pas? Non, mais j'ai rien dit. Moi, tu sais, je suis pas quelqu'un de chiant hein, dans la vie. Hein. Mais dans ce donjon-là, les mobs ont un taux de repop assez fort. Dans les donjons publics? Non, dans celui-là, particulièrement. Oui. Ah bon? Ouais. J'ai l'impression qu'il est plus fort que les autres. Ah bon? Parce que dans les donjons publics, moi, dans mon esprit, c'est normal que ça aille vite, quoi. Parce que bon, bah... Tu ventiles, quoi, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais souviens-toi, celui-là, tu as fait un coffre la semaine dernière, et on tue les mobs, tu fais le coffre, les mobs repop. Oui, c'est vrai que les mobs, c'était la folie la semaine dernière. Bon, après, on n'a pas fait la gueule, hein, ça fait quand même des points d'expérience, on prend. Hein. Oui, bon, c'est sûr. Je vais pas m'éloigner, parce que je sens que ça va aller vite. On va s'occuper quand même. J'ai chopé ça. T'as chopé quoi? Attends. Oh, excellent. Oh. Tu l'as eu comment? Casse à couronne. Sérieux? Ouais. Excellent. C'est comment ça s'appelle? QA. Enfin, je veux pas faire le truc, je veux savoir comment s'appelle cet instrument de musique dans la vie, quoi. QANNUN. C'est un truc agite, je crois aussi. Can. Quanun. 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 Ça existe. Ah, la pop musique, ça me rajeunit. Juste.
C'est possible que ça existe. Que ça soit inspiré au moins d'un instrument. Ouais. Quelqu'un s'appelle la commande pour le tambour. Ah, oh, boss. Oui. Oh, si on le tue avant lui, ça serait tellement drôle. Mais il y a FK. Mais oui, mais c'est drôle. Vas-y, tapez. Oui. Oh, ça... J'espère qu'il a eu le loot. Encore des épaules du salut. Alors attendez, deux minutes, je lis la nouvelle merde que j'ai chopée. Il vient de nous traiter de meurtrier, au fait. Hein. Qui? Bah, le mec. Comment tu le sais? Oui, il parce que, regardez, murderer. Il a dit dans le chat, ouais, bah, c'est bien, ça me fait une belle jambe, il a qu'à pas être avec quoi. Voilà, bah, il a qu'à faire comme nous, il glandouille. Et les gars, de l'autre côté, on va voir si le boss a pop ou... Ouais. Ah bah, matelot de la main pourpre. C'est pas le boss. C'est pas un Wood? Je crois que c'est un Wood, mais je suis pas sûr. Non, le Wood, c'est... Ça ressemble à une guitare. Ouais, ça ressemble à... Ouais, une petite guitare. Hein. Oui, oui, vous savez. Pas grave, c'est quoi on cette histoire? On reviendra. Il y a une séquence de boss en fait. Il est possible que ce soit pas la bonne. Non, c'était pas ici. C'était pas ici où on avait vu des mecs tourner en rond. C'était à Bancorail, hein. Non, non, c'est ici. Ouais, c'était ici. Ah oui. Qu'on voyait les mêmes mecs tourner. Il y a un boss, les gars. Eh ben, allez. Ouais. J'ai aggro. Ok. Enfin, tu fais de boulot, quoi. Bah, oui. Oh putain, la hache du trameur. Hache du trameur. Coffre, en face. Oh, attends deux minutes, je l'associe. Ouais, mais coffre. Coffre. Non, coffre. Associe, tu associes après. Oui, mais j'étais en train de patouner les touches. Quand je dis je suis en train de patouner, je patoune. Voilà, c'est bon. C'est ça, Balrog. Oh, c'est pas l'air du foudroptère. Dommage. Oh, putain, c'est pas possible. Bordel de... Bah, tu me l'as pas associé, Coco? Là, il y a la pilote. La pilotesse. Ouais, tu te souviens qu'on avait galéré pour qu'elle repop? Putain, oui. Vous êtes un Malabaltor, j'adore cette zone. Ouais, mais nous on y est vraiment pour le set quoi. C'est bien pour voilà, pour faire du mob, mais bon. Ah, boss. Oui, tout à fait. Oh encore putain. Le bouclier du foudroptère. Ah non, mais quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice, hein, c'est jusqu'au bout. Attendez, il y a un truc qui fait 1500, j'ai vu dans ma barre. 1500? Oui, il y a un truc qui fait 1500 pièces d'or, je ne sais pas ce que j'ai looté. Oui, c'est Corps. Possible. Ah mais non, c'est les pierres d'âme, excusez-moi. On a la quête, au fait, de l'autre côté. Oui, mais comme nous, on l'a déjà faite, à la limite, ouais, c'est plus pour toi. Hein. Vas-y, celui-là, toi. Ouais. Il y a le cristal juste là. Vas-y. Récupère. Je récupère. Coffre. Ouais, j'y suis. Ah, un intermédiaire, ça vaut peut-être le coup. Bande de sauvages. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment ça? Balrog qui dit c'est mon foyer spirituel, bande de sauvages. Mais c'est pas un foyer spirituel. C'est juste que voilà. On est là pour tuer des gens, quoi. On est pas là pour coller des gommettes. Enfin, voilà. Ouais. Non, mais c'est un fait, excusez-moi. Enfin, voilà. Mm-hmm. Alors, on a un boss juste à notre gauche. En bas. S'il est là. Ouais. Alors là, la technique, c'est là. Oui, oui. Il fallait glisser ici. Paf. Et là. Le boss est là. Oh putain, il m'a rien lâché à part des points d'expérience et du pognon. On l'a fait alors. Si.
Attends. Moi aussi. Ah, c'est un coffre, merde, classique. Fuck. Bonjour. T'aimes bien le saut, hein? Alors, tout à l'heure avec le saut, Julie. Oui. Moi, ça m'a comptabilisé comme si on faisait du DPS ensemble. D'accord. Je suis monté à 125 000. Eh ben. Non, mais le saut, il est sympa. Ouais. Oh putain. Ah, l'arc du trameur. Franck, l'arc. Ouais, mais moi j'ai la masse du trameur. Pardon, la merde. Mais est-ce que tu le veux? Bah, évidemment. Évidemment. Est-ce qu'on regarde à la fin pour Ouais, on les regardera échanges? La fin. Ouais, on regardera la fin. Ouais. Là où t'enroulais, hein. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais Falcat. Ouais. On les a déjà fait, les boss, là. J'ai la quête qui est ici. Ah, coffre. Ah. Ouais. Coffre. Oui, mais j'étais en train de... Mais laisse-moi le temps très vite. Et il y a un des boss qu'on n'a pas fait ici parce qu'il apparaît pas. Je regarde s'il y est. Ouais, c'est... Bah, c'est les mobs. C'est encore les mobs. Juste... La merde. C'est fou quand même. De trouver de la merde? Bah non, que le boss n'apparaisse pas. Jamais. Ah, GG. Merci. Ouais, GG. Ouais, par contre, dans 12 minutes, faudra faire une pause par chose. Hein. Ouais. Mais t'as qu'à faire, on va tourner, hein. Ouais. Salut Maya, j'espère que tu vas bien. Salut. Salut. J'ai la suite de la quête qui est à l'endroit où on était juste avant. Ah, il y a un autre boss. Là. Ah. Ah. Mais je crois qu'on l'a fait celui-là. Oui, tout à fait. Bah, tuons-le, on verra bien. Pour l'XP. Ah mais attends, c'est toujours les mêmes qui glandouillent devant? C'est triste. C'est vrai, il nous a traités de meurtriers? Bah ouais. Enfin, on n'est pas des meurtriers, on est des aventuriers, c'est pas pareil. C'est légal ce qu'on fait. Eh, ah, là j'ai encore eu du loot, hein. J'ai looté. Bâton de foudre. Ah ouais. De salut. Mais... Putain. Tuez-moi. T'as looté quoi? Est-ce que on va là où j'ai ma quête ou ouais, on attend ouais. que le boss ouais, pop ouais. Ouais, on va où t'as la quête. Tu vois parce que je monte vite le bâton en fait. Ah oui, et je t'ai dit, avec les la petite technique de renard de mettre 3-4 compétences dans la barre, ça va vite, ouais. plus. Ça va très très vite. Ah, celui-là on l'a déjà fait. Oh, la masse du trameur. Je ne l'avais pas. Voilà qui est bon. La semaine prochaine, il y aura un nouveau healer dans le groupe. Ah bon? Ouais, il peut heal. C'est une mission ouais, ils sont là. Impériale. Surprise! Ça c'était le boss de groupe normalement. Eh merde. Rien du tout pour moi. Ouais, même t'es quête, hein. Mais le truc c'est que c'était pour ma quête en fait qu'on a buté lui là. Ouais. Parce qu'on est passé tout à l'heure, il y était pas. Non. Exactly. Et je pense que là, quand on va sauter, on va récupérer les boss qui nous manquent. Tu penses? Ouais. Ah oui. Alors donc là j'ai fini une des quêtes et il y a une deuxième quête ici. Vas-y, je te laisse apprendre. On est en bas. J'ai pas pu la prendre.
Ouais, mais j'ai pas pu là, parce que vous étiez en combat. Ah, bah attends, on laisse tout finir. Oui. Voilà. Enfin, voilà, c'est fini. Tout le monde est mort. Tu peux l'apprendre. Et voilà. Alors, libérer. Faut que je libère des gens. Ouais. Faut retourner en arrière. C'est ça. Aller faire le boss qui est tout au sud. On te suit pour les boss, nous ils sont en blanc, je sais plus où on en est. Hein. Ah, coffre, là, à droite. Là, sur le bateau. Oui, c'est bon. Tu sais que j'étais juste derrière toi quand même. Oui, mais bon, on sait jamais. Non, mais quand tu es à deux doigts de l'apoplexie, de la crise d'apoplexie, j'ai un peu peur. Un jour tu vas faire coffre. Oh putain, non. Le collier du salut, mais tuez-moi. J'en veux pas de votre collier. Voilà. Ah, attendez. Ah, je suis plein comme une huître, une seconde. Est-ce que vous auriez l'amabilité de sortir un banquier ou... Parce que je suis en train de finir de lier en fait. Merci ma poule. Ouais. Banquier. Bien ouais. Bonjour. Bien le bonjour. Ah, je vais vous montrer. Je vais en profiter, je vais vous montrer un memento que j'ai chopé. Un memento ? Ouais. Il doit pas m'en manquer beaucoup, moi, des mementos. Ah si, quand même. Putain. Il t'en manque beaucoup si. Ouais. J'en ai chopé les... Ouais. J'en ai chopé les deux tiers. Oh, je peux pas m'en débarrasser, merde. Le truc de boisson, tu peux le détruire, hein. Un violet. Ah oui, mais c'est simplement que j'y ai pas pensé, Falcat. Coucou, Mickaël. Coucou, salut. Mika, comment vas-tu? Oh, tu veux pas que je me débarrasse de ça, putain. Je vide un max, hein. Soit je les vendrai, hein. De toute façon. Voici une souple. Ah. Celui-là, hop. Non. Trash Barbe qui a rejoint la kit marchande. C'est bon. Vidé entièrement. Merci beaucoup, Falcat. Oh. Prêt ? Prêt. Julie ? Ah oui, merde. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, putain, bah j'ai aggro, j'ai oublié mes mentos. Voilà. Prêt ? Je suis prête. Je suis prêt. Ouais. Waouh. Ah, il est classe. Le terre morte. Sympa. Très très sympa. Le dernier DLC. Ah. Je l'ai fini. Tu l'as fini aujourd'hui ? Chacune de ces bêtes vaut plus d'or que vous n'en gagnerez en toute une vie. Je l'ai fini un moment. Oui, c'est bien ce que je pensais, parce que tu nous avais dit là déjà depuis un petit moment que tu avais avancé ou tu avais. D'accord. La j'ai l'arc. T'as l'arc ? Ouais. Putain. Mais non, parce que comme je les associe, bah du coup ils me donnent ce que j'ai pas en fait. Ouais. La masse à une main, tu l'as eu ? Je ne sais plus. J'ai eu beaucoup de choses du trappeur. Ah, coffre ? Non. Coffre peut-être ? Non. Non plus. Putain. Il y a une note. Une petite note. Mais une t'as dû note la voir, ou nette ? Non, je l'avais pas prise. Ok. Hop, on passe. Et bah, on peut revenir en arrière. Ah. Bien, et vous trois ? Bon, écoute, ça va, Mickaël. Ça va. Ça va, tranquille. On est en train de tuer des gens. On récupère des sets. Je crois que Falcat Balrog te demande comment tu l'as eu. Ah oui, parce qu'il demande avec les efforts journaliers, acheté avec.
Non, en faisant le dernier DLC de... De la... de Terre Morte, le dernier qui est sorti. Terre Morte. Voilà. Tu le finis et tu récupères la... Et il y a un coffre derrière lui. Ouais, mais d'abord, foulage. Oh putain, la hache du salut. Je vais avoir complété le set du foudropter avant la fin de la soirée. Bah écoute, ça sera toujours un set de fées, quoi. Ouais, c'est ça. J'en suis, foudropter. Ah ouais. L'univers. L'univers, cette grosse garce. Associé. Il te manque des... Des ? Des boss ? Julie ? Hein ? Oui, il en manque deux. Ouais. Ouf. GG. Merci. On te laisse prendre ton. Ouais, je fais vite. Waouh, il y a trop de choses super cool. Et voilà. C'est good. Je suis désolé, je suis encore bloqué sur le mec qui nous a traité de meurtrier, ça me fait rire. Non mais oh en plus oui. C'est vrai, c'est que ça me fait rire. Ouais, le mec qui doute de rien. Ah ouais, je sais. Le mec il fout le camp. Et il trouve le moyen de gueuler, j'adore. Coffre. Intermédiaire. En cours. C'était un boss le tigre parce que... Ouais c'est un boss. Bah j'ai rien eu de ouf. Ok. Ah bah, passe du trameur, non? Il faudrait que je vérifie. Je crois que je l'ai eu mais bon. Je vous dirai tout ce que parce j'ai que eu. Parce que t'as parlé de masse tout à l'heure mais t'as pas dit si c'était, c'était à une main ou à deux mains. Ouais mais je sais mais comme je veux qu'on bourre. Enfin, on bourre pour faire les boss pour éviter de se les faire, comment dire, tirer quoi. Oh, ça coule. Donc là, j'ai une quête ici. Hop. Et voilà. On est bien, Tintin. Il y a un boss. Yep. Et il y a un coffre derrière. Ah, bâton de rétablissement du trameur. Ah, bien. Falcat, tu m'as bien dit de prendre des coupes en amélioration. C'est bien ce qu'il t'a dit, oui. Ouais, des coupes. Attendez, je l'associe rapidement. Bâton de rétablissement du trameur. Associé. Après, il faut pas que tu regardes les dégâts que ça fait actuellement parce que ça va augmenter. Ouais. C'est good. Salut Monkey, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te lire également. Hello! Salut! Voilà, tant qu'à faire. Hein. Bah. En même temps, on y est. Alors, faut pas se priver. On l'encercle! Il y a un coffre, là. Franck. Oui, en cours. Il y a une petite note nette aussi. On a dû... Je pense qu'on l'a récupéré. Oui, je pense aussi, ouais. Et il y a un sac lourd. C'est bon. Là. Là.
Merci. Hop là. Tiens, écoute. Allez sur ses flancs. Qui me reste des boss. Ben à droite là, non. C'est bizarre. Ça. Non, ça va, mais celui qui était en noir tout à l'heure, maintenant il m'a juste. Ah, il était à l'étage. Ah oui, on l'a cherché pendant un moment celui-là. Ouais. Il faut aller à l'étage, ouais. Non, mais c'est bon. Alors je crois que j'ai tout en blanc. Ouais, on les a fait alors. Ok. Parce que là, il faut juste que je rende la quête, donc. Eh ben, allons-y. Hein. On va, ça sera vite fait. Si quand je rends la quête, tout est en blanc, enfin, le donjon est en blanc, c'est que c'est bon. C'est que c'était bon. Ouais. C'est très gentil, mais alors que non, j'ai plus besoin de cuprite. Tu sais, j'aime la cuprite, hein, c'est une vraie passion. Hein. Je vais vous dire ce que j'ai récupéré du Trammer. Mais la cuirasse m'a caché fois de loin. C'est pas grave, hein? Non, rien n'est grave dans les lois de l'univers. L'objectif, c'est surtout les armes et le. Oh. Ah, coffre voleur. Ouais. Le donjon est en blanc, c'est bon. Ah, parfait. Tu rends la quête ? Ouais. Je l'ai rendu. Ah, ça y est. Ouais. Allez. L'entre à côté. Vous voulez pas que je vous dise ce que j'ai récupéré avant ? Ouais, vas-y. Ah, ça permet de. Histoire d'être sûr. Wait. Alors, j'ai récupéré. La hache du trameur. Une hache à une main. La masse à une main. La masse à deux mains. L'arc. Et le bâton de guérison. D'accord. Donc il te manquerait le bâton. Il me manque le bâton. Infernal. Ouais. J'ai le bâton infernal. Ah yes. Et les bijoux, tu les as pas? Négatif. Ah bah, dolmen. Ouais, on va être obligé. Ouais. Et une poussière éthérienne, ça te tente? Ah oui. Tu sais, moi je nettoie tout le jour, alors de la poussière il y en a jamais. Hein. Ouais, ben moi oui. Princesse. Ça va. Princesse. On y va ? Je vérifie que j'ai rien. La masse à une main, tu l'as. Non, c'est bon. Merci. Avec plaisir. Tu me faisais peur à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ah ben voilà, le bâton infernal, c'est good. Donc il manque les bijoux. J'en ai 10 en stock si tu les veux. Et tu les vends pas? Ah, c'est Balrog, hein. Tu sais, c'est la plus grosse pince qui existe sur tes os. C'est simple, non, hein. Quand il te serre les mains, vérifie qu'il te manque pas des doigts. 10, c'est 3 millions quand même. Oui, mais bon. Non mais il troll. Pareil, Julie, tu nous dis... pour la quête. Ok, Falcat, je l'envoie vers quel arrobase? Arrobase Falcat 66. Et marque-lui gros bisous. Et bonne vente. Pas fait beaucoup de ventes cette semaine. Ah ouais? Ouais. C'est période de Noël pourtant, hein. Ouais, ben, j'ai pas fait beaucoup. C'est bizarre quand même. Les gens offrent plus de cadeaux sur tes os. J'ai pas beaucoup joué en fait. C'est moi que tu dis ça. Ah non mais je pense que j'ai moins joué que toi. Hein. J'ai juste fait la connexion journalière. Hein. Même pas. Si pour la récompense des fins de mois. Ouais mais là je peux pas. J'ai même pas. Enfin. Bref.
Tant mieux. J'ai fait que ça. Tu vas te laisser voir par Princesse qui va avoir un plus haut niveau après. Bon, non. Ouais, non. Oh, tu sais, elle a un esprit, hein. Je le rattraperai plus là. C'est fini. Ah, bah si, fatalement, tu vas le rattraper. Si, à un moment donné, il va plafonner, donc bon. Ouais, mais moi aussi, je joue un peu moins en ce moment. Oh. J'aime bien le ça marche. Attends, il y a un mec dessus. La fierté du lion. Qui est sur quoi? Non, il y avait un mec qui était dessus. Attention. Dommage, hein, la projection comme ça avec la l'arme à deux mains. Qu'est-ce qui te dérange? Tu ne peux pas l'utiliser à un champ de bataille. Tu lis. Bah, en fait, c'est bizarre parce que des fois ça marche et des fois ça marche pas. Ah bon? Normal. Enfin, j'ai eu une seule fois où ça a pas marché. Moi, je. Non, ça marche. Ça marche pas. Ouais, j'ai cru que c'était un bug, enfin, j'ai pas compris sur le coup. Je suis une tasse niveau XP, Franck. Ouais, ouais, bien sûr. On y croit tous. C'est ce qu'on dit. Brûlez ça ! Il y en a derrière, hein. On s'écarte. 1400 tout rond. 1400. GG. Oh, félicitations. Oui. Ouais. Félicitations, mon cher Falcat. Petit 1400. Ouais. Un petit. Ouais. Je vais sur le boss. Les chaussures du trameur. Les du salut, tu es moi. Ah, les chaussures, je suis pas sûr de les avoir. Attends, il faudrait que je vérifie, mais on vérifiera ça après. Ouais, sortons de là. En face. Tu lis. Ouais, pardon, fallait que je fasse du vide. Je change le banquier, hein, si t'as besoin. Je t'avoue que j'ai la flemme de mettre de la merde dans ma banque. Ouais, bah c'est... J'ai pas envie. Ouais, mais ça te fait monter les levels. Partisan. Je t'ai donné des lingots de cuprite, n'oublie pas, Arg, la perte de fric. Si vous l'acceptez, en sortant de l'entre, on fait un petit saut à Vardenfell. Attends, t'es à ce point-là? Flemmarde à ce point-là? Non mais attends, même... Dans ta banque. Oh, regarde, moi je viens de gaver la banque, mais d'un tas de merde. Ça va, t'en as pour 10 minutes. Oh là là, mais quelle couleuvre. J'ai mes anciens sets dans ma banque, et j'ai peur de en retirant les merdes là, de les prendre avec, quoi. Bah quand même, tu fais attention. C'est... Peur de faire des bêtises. Oh, le problème, c'est qu'on a deux boss. Attends, il est où le troisième? Là. Est-ce que tu as les bottes, Franck? Ah oui, bonne question. Je vais te dire ça de suite, ma belle. Chaussures du trameur, oui. Ok. Ah, il en manque, hein. Il en manque. Je peux te sortir à ça, si tu veux vendre. Les... Hors ceux que tu veux des crafts. Ouais. Pou.
Le reste, je garde. Hop. Merci Falcat, j'en ai profité. Il reste deux boss à faire. Oh, autant les faire, écoute. Parchemin d'XP, Franck. Merci, ma poule. Ok, c'est bon. Oh, je claque celui de 50% ou 150%? 50, hein. 50, ouais. C'est good. Poupidou, pidou, pidou. Ça coûte? Uniforme des griches d'acier. Ouais, c'est normal. D'accord. Regardez. Oui. Je suis en gridge d'acier. Ouais. Oh, il est tout pourri. Oui, je sais. Je ne te permets pas de juger, c'est rigolo. Ça fait de la merde. Inventaire. Ouais, mais il suffit de... d'en laisser un et... Tu le lootes plus. Ah, Tanar, ça lui marque que tu es un joueur inconnu, Falcat. Sur quoi? Il a essayé de t'envoyer un truc par courriel. Ah ouais? Et ça lui marque, ça me met joueur inconnu. Falcat 66. Ah. Attends, bouge pas, hein, je vais te dire ça de suite. Alors, envoyer. @. Voilà. C'est celui-ci, Falcat avec une majuscule, mais non une minuscule au cas où. Voilà, maintenant tu peux le troller. Et moi aussi, tu veux une poussière éthérienne, Falcat? De quoi? Moi j'en ai des poussières éthériennes. T'en as beaucoup? Ah ouais, j'en ai genre zéro, tu vois, mais j'aimerais bien t'en offrir une. Ah, ouais, le jour où t'en auras, tu m'en offriras. Mais avec grand plaisir, tu sais que moi j'ai le cœur sur la main. C'est pas forcément mon cœur, mais oui. Oh, le faux coffre. Oh, c'est pas de côté. Oui, mais bon, il y a des mobs. Niveau... Mais je vais passer 50 avant la fin de la soirée. Ben oui, ce niveau-là. C'est l'objectif. Ah, je croyais que c'était trouvé le 7. Mais en même temps, d'une pierre deux coups. Ah, merci Thomas. Balrog, je transmettrai, t'inquiète. C'est surtout Balrog qu'il faut vraiment s'inquiéter. Je le vendrai, je t'en filerai une partie. Ça veut dire que tu ne recevras que 5%. Non, en général je... C'est vrai, je 10% verse. Parce qu'il est très généreux. Non, je garde 10%. Falcat, c'est vraiment de l'espièglerie, je sais que tu es gentil. T'es où les copains? Mais bon, tu sais, honnêtement, moi je te supporte, hein, c'est tout. C'est hein. Pas par là. Garde de l'autre côté. N'oublie pas. C'est pas par là. Si, si, t'inquiète. C'est pas par là. Ok. Un Falcat. Oui. On se supporte, hein, je te le dis de suite. Hein. Ouais, oui, oui. Et... Ah oui, tu l'as pas dit à Julie. Si, si, je lui ai expliqué. Quand t'étais pas là, c'était tellement drôle. Enfin voilà, je voulais te dire que je te supporte à peine, mais bon, voilà. C'est ça. C'est vrai que c'était drôle. Écoute, je te jure, hein, c'est. Il y a des moments, bon. Je refuse de courber les chinois. En face. Vous voulez d'abord le faire le boss ou le livre? Bah, le plus près. Je dirais que le livre est par là. Et il est juste à côté. Attends, on peut passer par là? Attends, j'aimerais. Hop. Voilà. Et il est juste ici. Là, dans la souche. Ah, il y a des gens qui vont vers le boss. Vite! Il est pas là, le boss. Ah bon? Il est pas là. Ah merde. Non. Je me suis estouffé. Ah bah bien. Arf. Ah c'est lui le boss? Non, pas la peine, j'ai c'est pour la guilde de me livrer caviar. Son plein en banque. T'as fait le plein de caviar? Non, j'ai pas eu de caviar. Ah, je sais pas, j'ai pas dépioté. J'ai dépioté pour faire de la place. Ok, t'as marre, je le mettrai dans la guilde alors.
Je sais même pas combien ça vaut maintenant. De quoi? Le caviar. Poussière, ah le caviar. Ah oui, ça... Ça ah oui, 400 000. Ah oh, oui, putain, 400 000. 400 000 Ah ouais, alors attends, est-ce que j'en ai moi? Comment? Non, non, mais attends, s'il y a moyen de faire un... Oh putain, j'ai deux caviars parfaits. Ben ouais. Comment vous voyez ça, Falcat? Si... T'en as, ça? Ah oui, oui, on m'en a envoyé, là. Ah. Dis donc, Falcat... Ah, tu parles de la poussière. Sachant que ouais. Ça vaut 400 000, je t'enfile deux, tu... Voilà, tu peux s'arranger. Non, donne-la à Julie, ça augmentera ses ventes. Ah, d'accord. Julie Oui, Franck. Tu détestes hein, quand je fais ça. Oui. Mais tu sais que j'adore faire ça. Oh, t'aimes bien m'embêter. Oui, j'ai compris que t'aimais bien m'embêter. Oui. Le jour où je ne le ferai plus, tu devras t'inquiéter. Oh oh. De quoi, oh oh? Bah, j'espère que ça arrivera jamais. Non. Vends vite, vends on bien. Fait, on fait 50-50 comme d'hab. 50-50? Mais attends, hé, j'ai pêché des caviars. Du caviar parfait, chérie. 50-50. Non. Bah t'as qu'à t'inscrire à la guilde alors. Prends-moi mes caviars. Mais joué. Ah ouais? Oh, alors ça, tu vois, ma petite chérie. Je vais le retenir. Combien ça vaut? 50 000. De quoi? Le caviar? Non. Bah. Ah, je sens que je vais me faire enfler moyen. Alors qu'elle est pas foutue de trouver un prix. Oh là là, putain. Prix moyen 48 000. Ah ben, et je te achète 5 000. Ah non, mais pas le caviar, c'est la poussière aérienne. Oui, mais ah, mais là, on là, parle moi, du caviar parfait. Du ah, le caviar. Ah, le... Oui. Ah non, le caviar. Franck vient de me. Franck vient de me filer ses deux. Bon, il est là. Le putain ou la vie. D'ailleurs, laissez, je vais prendre les deux. Ok, je crois que j'ai un gros trou. Celui-ci me résiste. Hé, hey, bougez-vous un peu. Vous avez du monde à tuer. Ah, alors? Oh non. Rien. Non, rien. Non, non, mais tu les vends dès que tu peux, princesse. Hein. Si ça peut te permettre d'augmenter, entre guillemets, tes ventes. Oui. De toute façon, des caviars, tu sais, je risque d'en avoir, genre, beaucoup prochainement, donc. Dès que j'aurai du temps, tu sais, moi, j'aime bien pêcher. Falcat, par là où tu te diriges, il y a un nez. Ah, ouais, je te suis. Ok. Il y a un quoi? Un éclat. Un éclat. Non. J'avais pas entendu de... Parce qu'en fait, j'ai mon casque qui est en train de se vider de sa batterie, il fait tut tut. Ah non, non, mais t'inquiète, hein. On a pas... j'ai pas entendu non plus, hein. Mais... Non, non, j'ai mais... deviné. Voilà, parce que le problème, c'est que je sais pas si on entend le tut tut, donc... Je l'ai deviné. Alors, accordez-moi 2 minutes que je branche. Putain, il se vide de plus en plus vite, quoi. C'est terrible. Pour le caviar, c'est quoi le pourcentage de loot dans les poissons? Très faible. Très faible. Pour te donner une idée, Balrog, j'en ai pêché plus de 100 ou 150 et j'ai eu peut-être 2 caviars et encore. Et la poussière aérienne, c'est encore moins. Sérieux? Ouais. Oh là, on a un couille. Oh. Tu sais que j'en ai jamais looté. Hein. Jamais. Hein. Mais ah, mais en plus de 1000 heures de jeu, j'en ai jamais looté. Par contre, il est où l'éclat? Ah oui. Bah oui, on est d'accord, hein. Il y a un souci là au niveau de la carte. Mais c'est l'arnaque. Balrog te demande si. Je confirme, c'est la seule en 4 ans. Tu vois, la poussière, ça se loot sur des mobs? Me demande Balrog. En farmant les princesses, à mon avis, les en dessous. Matériaux. Ah non, non, il est... Regarde, lève la tête. Lève la tête? Il est au-dessus. Il est dans la part. Putain, faut remonter. Oh l'arnaque, putain. Bon, allez, faut faire tout le tour. Hein. Oh non. Non.
Même moi, j'en ai une flemme intersidérale. J'ai pas dit qu'on allait le faire. J'ai dit qu'il faudrait faire tout le tour. Ah ouais. Mais... Rien que t'as dit qu'il faut faire le tour, ça y est, je suis fatigué là. Il y en a un autre dans cette direction par contre. Ouais. Super. T'as un livre aussi. Alors. Disparaissez. Le livre est dans le bâtiment. Qu'est-ce qu'il y a, Falcat, que j'entends disparaissez? Vous disparaissez, vous apparaissez. Ah bon? Comme si vous repopiez, ouais. Alors ça m'est arrivé, je sais plus sur laquelle de session, et je vous avais fait la même réflexion. Ouais. Mourir. Putain, c'est quand même abusé pour la poussière éthérienne. Ben, ça fait combien qu'on est sur le jeu? Un an? À peu ça près. Fait un an. J'en ai voté deux. Oh. Deux? C'est beaucoup. Ouais, mais putain, t'as dû farmer comme un fou. Ah oui, mais je farme comme un fou. Ah, livre. C'est pour ça qu'on est là. Ah, je pensais que c'était pour l'éclat. L'éclat est... Encore plus. Regarde, viens, regarde. Ouais, j'ai tu vu, le vois là-haut? Oui, je le vois. Oh non, il faut sauter, on va faire encore une Edreda. Non, oh. Tranquille. Au cas où. On sait jamais. On fait le tour ou... Alors, comme tu veux. Comme vous voulez, du coup. Honnêtement, ça change rien au match. D'ailleurs, j'ai déposé des pièces de 7 en banque de guilds. Si ça ne trouve pas preneur, ça remplira les caisses. Doublons que j'avais, ne vous inquiétez pas. D'accord. Bah écoute, c'est gentil, ouais. Michael. C'est très très gentil. Je vais adorer, ouais. Je croyais que c'en était fini de moi. On peut monter par là. Ouais. Mais au final, les caviars, ils sont toujours au même prix quand tu dis 48 000 ou 50 000. Ouais. Non, c'était à 20 000 la dernière fois dont je me souviens. Ah ouais? Non, ça a toujours été cher. Bah, 20 000, c'est cher. Ou alors je confonds avec le Nierdkrux. Ah non, parce que tu m'avais vendu du caviar parfait et tu en avais tiré, je crois à l'époque, 45 000. Ah oui? Ouais. D'accord. Il y a un livre... Ah non, il est dans le bâtiment. Mais du coup, là, on est sur la bonne voie pour le deuxième éclat qui était au-dessus. Il nous restait un boss à faire, c'est ça? Ouais. Ok. Oh, c'est casse-bombe. Je sais parce que j'ai vu Voyage voler en même temps. Mmh. Ouais. Et à Pechtaouchnok, celui-là. Et on a le boss, du coup, qui est juste en face. Ouais, mais bon. Pourquoi ça t'embête qu'on aille le poulet? Ah, mais non, mais c'est pas ça, c'est que si tu veux faire le saut, vas-y, je te regarde. moi, je ne tenterai pas. Est-ce qu'il y a moyen? Non, il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas moyen. On est tous d'accord. Ça reste plus rapide de sauter, mourir, revivre que de redescendre. Ouais, mais il y a des mobs et ça fait de l'XP. C'est plus intéressant, okay. L'XP. Eh, il y a un livre en contrebas. En contrebas? Ouais, mais il faut faire le tour. Non, pas forcément. Tu peux te laisser glisser là. Oui. On peut peut-être. Si on se laisse glisser, on arrive au livre. Voilà, je suis au livre. Et non! Ah putain! Putain, j'ai failli tomber, mais. Oh! Bravo, Julie! J'ai glissé, ah bah... chef! Alors, c'est ce que je disais. J'ai glissé, chef! J'ai failli glisser, mais voilà. Eh ben, merci pour l'illustration. Tant pis pour moi. Tant pis. Tant pis pour moi. Et le guerrier, parfait. C'est triste la vie quand même.
Bonsoir pâté de singe, comment vas-tu? Pour le caviar, j'en ai récupéré 24 pour 2700 poissons pêchés. Ouais, mais je suis pas choqué, hein. Moi qui aime bien pêcher, tu vois, pour faire les succès, tu vois, de région. Honnêtement, t'en récupères tellement peu que c'en est risible, quoi, à un moment donné. Franck? Oui? On t'attend. C'est faux. Vous ne m'attendez pas, je suis à l'heure. Non, on t'attend. Oui, eh ben, ma montre, ma toquant, t'as plus de piles. Oh, vous avez disparu. Moi aussi, voilà, ça en l'a même fait. Temps, ouais, vous avez disparu. Je pense que comme il y a des petits changements de zone, pourquoi. Non, je sais pourquoi. Parce que cette zone, tu peux la libérer. Ah. Ceci explique donc cela. Je vois pas le rapport. Non, j'ai pas compris. Parce qu'on n'a pas fait l'histoire. C'est des serveurs séparés. On vient par exemple, de changer de serveur. On change de serveur. Incroyable. Incroyable. It's incredible. Blablabla. Niveau 884. Le détroit de la pointe à mer. Ouais, donc Tanar, je te dis, moi quand je loot du caviar. Un sur je ne sais combien. Tu vois, je pense que ça doit être du 1%, quelque chose comme ça. Bah écoute, sur je te dis 100-150 poissons à peu près, bah, plus peut-être même. Hein. Parce que moi j'ai pêché comme un gros chien pour débloquer, tu sais, les succès aussi bien à Vardenfell qu'à Havreglass. J'ai bien fait plus même hein, de 200. De caviar, tu vois. Enfin, tu vas pas te péter une dent quoi avec ça. Bah, c'est quoi la commande pour le tambour? Drum. Je sais pas. Drum. Là, c'est l'Azrash qu'il faut sortir. Pourquoi? Bah parce que c'est... Plus raccord? C'est oui. Bah écoute, je l'ai. Hein. C'est bien, on tombe sur un joueur qui joue le jeu. C'est aussi. Ah, oh, c'est pas du tout raccord, ma danse. Non mais attends, je vais plutôt essayer le drum, parce que ça va pas avec ce que tu joues. Tu vois? Mmh. On va essayer ça. Ça fait plaisir de voir d'autres joueurs déconner. Oui. Salut Siegfried, comment vas-tu mec? J'adore l'armure de Samiri et le fait qu'elles soient raccord toutes les deux. J'adore, je trouve ça trop beau. Mais surtout qu'elle est très jolie. Oui. Ouais, vert émeraude comme ça, magnifique. Yalvelea Telvanni. Ah, RP à fond, hein. Ouais. Mmh. Ouais. Bah, par contre, ouais, RP. Même l'autre derrière, hein, c'est une tenue à l'arc, ça se tient, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Faudrait que je fasse la même danse qu'elle, en fait. Tu sais laquelle c'est? Pas du tout. Essaye peut-être les Dubner. Ça serait raccord avec ce qu'elles font. Ouais, essaye. Non? Non. Non. Ça les Dubner. Quoique ça serait raccord avec la chanson quand même. Mais attends. Forcément, c'est un instrument qu'agite. C'est une émote. C'est Alinor allemande. Alinor allemande. Je suis bluffé d'arriver sur un tel moment épique. Ouais, je sais. Il y a de quoi perdre une dent, je sais. Voilà, ça y est. Ah, vous êtes presque raccord, c'est énorme! Ouais. Oh, c'est fou, putain. Excellent. C'est quand même sympa. Franchement, des gens qui jouent le jeu quand même, c'est cool. Je vous conseille l'emote Rake. Ça fait quoi l'emote Rake? Ma test. Non. Tu sais, quand on me dit teste ça. Ouais, bien sûr. C'est classe plus non, plus. Non, je pense pas que ce soit une connerie. Hein. C'est d'accord. C'est Fred qui le dit, je pense pas que ce soit une connerie. Ouais. Attends, on va essayer. Excellent. Bien joué, c'est un râteau. Excellent. Je dis oui.
Ça aurait été un random qui le dit, je t'aurais dit, ne le teste pas. Donc... Ouais, ouais, t'inquiète. Je me suis douté que c'est... Oh, oui, ça arrive. Vas-y. Il y a des morts vivants. Bon alors... Ah, merde, il était derrière moi. Ah. Eh ben voilà. Oh putain, oui, le chapeau du trameur. Ah, bien. Ah, coffre à trésor. J'ai rien eu. J'ai rien eu. Moi non plus. Ah, attendez, parce que je vais lier, parce que j'en ai récupéré des trucs. Le casque du salut. Ah mais si, il fallait ouvrir le coffre. Le Aubert du salut, j'ai, génial. J'ai le chapeau également, c'est dommage. Oh, merde. Le chapeau. Le choix. Merde. Matin de foudre de salut. Ah oh, putain. Bon, dommage. Ah, j'ai un freeze. Je connais pas ce set. Salut Héloïse, comment vas-tu? Ok. On peut rentrer à Vardenfell. Oui, oui. Trop bien. Je me TP. Ah. Ok. Bah, il manque pas mal d'éléments du set. Ouais. Mais de toute façon, t'as pas besoin de tout. Non, éléments. J'ai pas besoin de tout, mais j'aurais aimé avoir la cuirasse au moins. Non, mais ouais. C'est pas la cuirasse qu'il te faut. Tu vises quoi, les bijoux? Ah, il te faut les bijoux et les bâtons. Les bijoux, on fait deux dolmens et on les a. Voire ouais, un. Ouais, les bijoux. Ouais, ouais, les bijoux, ça va aller vite. Ouais. Vous pouvez vous TP. Okidoki. En cours. Oui, puisque dans les dolmens, c'est bien, forcément c'est les bijoux. À moins qu'on ait pas de chance et qu'aucun de nous trois ne loot le bon set, ça ira vite. Oui. Dolmen, il y en a combien sur zone 3? 3, normalement. 3. Ouais. 3. Il y en a toujours 3, en fait. Ouais. Soit t'en as pas du tout, soit t'en as 3. Bon. On décrafte gentiment? Ouais, oui. vous pouvez décrafter. Parce que j'en connais une qui fait la tête. Oui. Elle boude. Je boude pas. Tu fais du boudin. Mais non. Tiens, un peu quand même. J'aime pas être pleine. Titre. Fallait vraiment la faire? Non, sérieux, vraiment. Oui. Bah quoi? Je la trouve bonne. Titre. Oh là là, mon dieu. Oh les enfants, je te jure. Et dire que ses parents sont fiers d'elle. J'ai hâte de les rencontrer. Non mais c'est pas ça, c'est dire qu'elle est junior quoi. Ah, ça tire à balles réelles. On peut être junior et avoir de l'humour. Ah oui, tu veux dire du Patrick Sébastien? C'est fou quand même. Hein. Comme quoi, les écoles d'ingé, ça a vachement changé. D'ailleurs, ça. Si Patrick nous regarde, je l'aime beaucoup. Et encore, dis-toi que je suis pas la pire. Non, mais t'inquiète. L'université, t'inquiète pas qu'on a bien profité aussi. Bah ouais. Surtout les soirées Erasmus. Hein. J'en ai gardé d'excellents souvenirs. Moi, j'ai organisé les soirées de mon école. De BTS. Oh. Eh oui. Je te voyais pas. Ouais, je te voyais pas en organisateur, tu vois. J'étais très fêtard quand j'étais jeune. Et aujourd'hui? Ça m'étonne. Ne réponds pas. Aujourd'hui, pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi Falcat. Non, je comprends pas non plus. Allez. On va la poussière. Allez, je la mets. Ça
Ah, 390. Ah non, c'est le prix que je l'avais vendu la dernière fois. Voilà. Ah, je viens de passer level 49 toute cette semaine. On a farm avec Diogène, Sylvana et Vortor. Oh, c'est... Oui, oui, t'inquiète. On sait tout. Au contraire, c'est bien, comme ça vous travaillez en équipe. Allez, nickel. Est-ce que j'aurais pas du bois qui traîne? Je lui ai dit viens derrière le bois. Allez, il y a 1,2 million dans la banque. 1,2 million dans la banque? Classe. Au fait, merci princesse pour le bâton. Vous m'avez l'air perdu. Avec plaisir. Oui, mais je... Bah, c'est gentil, parce que ça m'évite de le chercher comme un débile. Ah c'est ouais. Ça, c'est le pacte vert qu'on a looté comme des chiens, Falcat. C'est ça. Le pacte vert. Alors Julie, si tu veux du pacte vert, t'hésites pas. Hein. Ça sera, c'est vraiment avec plaisir que je le file. Ah non, mais tu peux pas le filer. Non mais c'est pour rire. Tout lié. Et ouais, mais il y a de quoi péter un plomb, putain. Bon, ben le salut, il me manque le bâton de glace. Ouais. Trois armes du trameur. Ouais. Et trois armes de foudropter. Après, je veux vérifier un truc. À combien est le trameur? Est-ce qu'on en trouve? Et bonsoir Abyss. Merci beaucoup. Merci pour le resub et merci pour ton soutien. C'est très généreux. Merci beaucoup. Pacte vert, c'est pour les tanks, mais c'est éclaté à la mort. Oui, mais ça m'intéresse pas. J'ai déjà un tank et j'ai déjà mon set. Là, c'est pas le but. Celui-ci, c'est un reroll, donc c'est pour ça. Tramer, c'est pour le PVP, c'est ça. Il est un peu plus cher, le Tramer. Plus cher de combien? Attends, Falcat. Il y a un super site internet qui existe. Oui, c'est moi qui te l'ai dit. Oui. Non, mais je regarde. Merci. Je regarde les prix. J'espère que tu vas bien. Il est entre le bâton infernal. Il Donc. Est maximum, il se vend. Le prix, c'est 11 000. D'accord. Et le reste, pardon? Et le reste, il n'est pas dans la boutique là, donc je peux pas te le dire. Tu es CP combien? 800 et des brouettes. Mais pas avec ce perso. Mais pas avec ce perso, effectivement. J'attends de gentiment arriver à mon niveau 50 dans la joie et la bonne humeur, la paix et l'allégresse. Youpi, youplala. Voilà, c'est les glyphes que je voulais me débarrasser. Tu veux le torse? Vous êtes celui qui a arrêté l'offensive. Torse. Non, mais c'est pas le torse qu'il lui faut. Non. C'est quoi? C'est les bijoux et... Les joubis. Et le bâton infernal. Mais le bâton infernal, le ça bâton y est, Julien me l'a donné. Je lui ai filé. Ah, ben c'est le bijou. Ben, c'est un. Bon, mon main, c'est un tank. Oh. Main tank, d'ailleurs. Oui, coulier et bijou. Tank quoi? Chevalier dragon. Et comme Copentny, j'ai choisi Rougegarde. Je me débarrasse parce que franchement, j'en ai toute une collection. Il y a un collier à 12 500. C'est ouais. Le moins cher. Attends, c'est pas du tout le moins cher. Qu'est-ce que je raconte? On fait le petit tri. Alors tu as un collier en verre à 144 pièces d'or. Ah. Bah on va le prendre pour 144 pièces d'or. Oui, mais là où tu l'as trouvé. Sur le site, le collier a dû partir depuis bien longtemps. Il a été posté il y a 13 heures. Il est parti il y a bien longtemps. Il est parti il y a 12 heures au moins.
Mais ça fait pas des années qu'on joue à Tezo, c'est pour ça. Je vais trier par date de mise en ligne. Donc le plus récent, il est à 13 000. En fait, pour t'expliquer, ça va faire un an et demi qu'on joue. Et c'est vrai que ça a été mon personnage principal parce que moi j'adore justement tanker, j'aime bien... j'aime bien le principe du tank. Voilà. Après, j'ai fait un reroll essentiellement pour du PVE, donc DPS, vigueur. Et là, je fais effectivement un DPS magie, mais tourné vers le PVP. Chose que je ne maîtrise pas, hein, voilà, tout simplement. Vous m'entendez ou pas ? Non. Oui. Fort et clair. Je te parle pas à toi, toi je t'aime pas. C'est vrai. Excuse-moi. Non, non, mais non, t'excuses pas, putain. Ah oui, putain, je suis con. C'est gentil, Viriane, Lucky Girl. Oui, double mort, le cheval et moi. D'ailleurs, on rend honneur à Princesse à chaque fois qu'on tombe de haut, on dit qu'on fait une Edreda. C'est ça. Ah ouais, Franck ? Oui. Si tu pouvais te TP. Tu m'as pas dit s'il te plaît. Parce qu'on t'attend en fait. Oui, oui, mais j'étais en train de répondre à quelqu'un dans la chatroom. C'est pour ça que je vous entendais plus en fait. C'est pas une excuse. Hein. Attends, d'accord, merci pour les explications. Moi je joue depuis le début du jeu et tant que Chevalier Dragon a toujours été ultra opti. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Bon, maintenant ça s'est lissé hein, quand même. Le DK est dessus, mais plus dessus comme avant. Oui, mais justement, moi j'expliquais que c'est vrai que mon main c'était un tank et moi je me régale avec ce perso quoi. Enfin, en tant que. Enfin. Vous allez où ? Bah, au dolmen. Il y a un mammouth. Il y a un mammouth ? Ok. Mais allons, c'est Falcat, les mammouths n'existent plus. Là, il y en a un et. Bah, ça y est, il existe. Oui, mais il n'existe plus, c'est ce que je disais. Non, je sais pas, moi j'aime bien jouer tank. C'est quelque chose que j'apprécie. Vous venez sinon ? Bah, je sais pas, t'avais l'air de te débrouiller. On voulait pas te déranger en fait. Non, mais c'est pour l'XP. Oui, oui, t'inquiète pas. Oh, il y a un éclat qui est pas loin. On l'a fait. Ah bah, pourtant, il apparaît encore sur mon HUD. Normalement, on l'a fait. C'est bizarre tout de même. Moi, je l'ai pas fait. Idem. La princesse, si tu veux, on cavale comme des cons et on revient au dolmen. Oui. Ça paraît rationnel. Oh bah. Attends. Ah. Oh. Ça marche, Marc. Repose-toi bien, mon garçon. Des gros gros bisous. T'as le nécro-tank désormais qui envoie du lourd. Qu'est-ce qui avait fait cette réflexion déjà de base? Mais il est difficile à gérer quand même. Oui oui, mais c'est pas la première fois qu'on a cette conversation de mémoire. Ouais ouais, c'était pour. Moi, de mon expérience, le meilleur tank que j'ai connu, il était gardien. Ouais. Le gardien est sympa aussi. Pour le fun, un lame noire tank, c'est cool. Expérimenté. J'en ai un de lame noire tank. C'est sympa aussi. Mais toutes les classes sont incroyables pour les tanks. Le tank sorcier, par exemple, c'est un truc de fou. D'accord. Tu vois, ça serait bien que je fasse une variante, ça pourrait être rigolo. Juste pour mon plaisir, quoi. Oh, après, c'est chiant à monter le tank. Hein. Oui, bah, merci, je me souviens. Hein. J'ai bonne mémoire. Hein. Et encore, j'ai farmé comme un fou. Hein. Ouais. Après, on ira faire un serment, parce qu'il y a 13 fuseaux. Ouais. Et à 3, on le fait large. Tu veux qu'on prenne toujours les rerolls ou tu veux qu'on prenne les mains? Non, tu avec pourras pas avec le tien. D'accord. Mais tu pourras pas avec le tien, Franck. 13 fuseaux? Alors, il peut faire 13 fuseaux, mais il peut pas faire le serment. Ah oui. Non, mais à la limite, le serment, bon, c'est pas non plus le drama du siècle. J'aurai toujours la récompense des indomptables, non? Non. Ah, tu le reçois pas par courrier? Même à mon niveau. Tu le reçois uniquement si tu passes par la recherche du donjon. Et que tu fais donjon normal aléatoire. Nous, on va sélectionner
très suzo. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais garder quand même mon reroll, il faut que je gagne mes points. Ça serait bien qu'on le fasse, le donjon aléatoire, je passerai 49 direct. Mais bon, un petit DPS Mazi, ça mange pas de pain. C'est ça, et puis c'est bien de voir de nouvelles choses, tu vois. Par exemple, moi j'avais essayé, j'ai fait un reroll elfe noir, lame noire, DPS vigueur, mais uniquement pour le PVE. Et c'est rigolo de jouer aussi de cette manière-là, c'est rigolo. Alors que c'est totalement pas opti. Hein. Quoi, le mien? Ah ouais, lame noire, le vigueur. Ouais, mais il fait le boulot. La dernière fois, tu l'as bien vu en donjon, elle a fait le boulot, ma lame noire. Oui. Donc. Mais c'est pas opti. Ah, c'est pas opti. Tu peux pas viser le HL, en fait. Ah non, non, non. Si je l'ai tourné vers le PVE, voilà, bon. D'ailleurs. Et encore une fois, on parle pas de healer. D'ailleurs, il va y avoir une nécro-healeuse prochainement dans la guilde. J'ai décidé de mon reroll. Ah, bien. Les vigueurs ne sont plus opti pour du DPS. Les magies sont les meilleures. Oh, je suis pas d'accord. Là. Ah bon, pourquoi avec... Ah, je suis pas du tout d'accord avec... Un débat. Avec le changement des armures, je suis pas d'accord. Parce que tu peux monter... parce que oui, je vois ce qu'il veut dire. C'est que... sur du PVE, tu montes les crits en priorité. Et quand tu es full léger, tu fais beaucoup, beaucoup de crits. Mais justement, si tu as le... Si tu as, par exemple, le kill de plongée, eh ben, ton crit, il monte... Là, je monte à... Je calcule... Bonsoir Melka Killer, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, ça va? La meilleure classe pour tanker, c'est la lame noire, mais super dur à maîtriser. Oui, c'est ce qu'on disait à l'instant en plus. T'es arrivé à 2 minutes près de la réflexion. Tu ne vois pas de vigueur en HL, uniquement du magie, car beaucoup plus opti. Bah, moi je suis pas d'accord. Je suis en train de réfléchir. Quand on est allé en Cyrodiil, si on est tombé sur des mecs qui étaient vigueurs. Est-ce qu'ils étaient HL? Ah, je sais pas s'ils étaient HL, mais on est tombé sur des... Oh, ils nous ont bien pété les dents quand même, hein, de mémoire. On parle en PVE, moi je vois, je fais mes 100k, hein. Ah, tu parles en PVE, voilà, attention. Voilà, d'accord, ok. En PVE, je fais mes 100k, c'est du PVP, hein. Ouais. Donc, Je Après, me souviens qu'il y en avait un qui m'était tombé dessus et je vais quand même supposer que quand j'avais mis le bouclier, il était vigueur. Vu ce qu'il a essayé de me faire. Mais bon, après, je sais pas, il a peut-être switché, je sais pas. Enfin, tu peux voir switcher. Non, switcher dans le sens il avait peut-être tapé en vie. Enfin, essayé d'utiliser une compétence vigueur et ensuite il a basculé en magie, tu vois, parce qu'il a disparu aussi vite. En général, tu fais l'inverse. Ouais. Peut-être qu'il était pas non plus opti, hein, j'en sais rien. Mais rappelle-toi, il m'était tombé dessus et j'avais levé le bouclier. Oui, mais c'était un vigueur. C'était un vigueur qui utilisait de la magie. Ouais. Dans un set vigueur PVP, tu es obligé de mettre un peu de magie. Tu as toujours au moins un ou deux buffs qui est en magie. Bon, tu sais, moi, j'ai pas regardé pour la... Pour le PVP, hein, c'est pour ça. Fais long. Ah, il y a les mammouths. Il y a des mammouths. Oh, le vilain mammouth. Je vous le ramène. Ah. Je vous en amène un deuxième. Merci, princesse. Livraison à domicile. Ça. Merci princesse. Ah, j'ai l'antiquité. Je sais pas qui c'est qui l'a eu. Pas moi. J'ai pas regardé. T'as vu un truc doré quand t'as looté ou... Bah non, parce que je suis en train de lire ma chatroom. Le mannequin ne veut rien dire. Taper un mannequin qui ne bouge pas en étant full buff avec zéro dégâts reçus n'est pas du tout représentatif du vrai gameplay. On est d'accord. C'est ce qui m'a fait arrêter tes os d'ailleurs. Ah bon? On est d'accord sur le mannequin.
Oui, mais ça peut te donner déjà une idée. En fait, le mannequin, ça te donne une direction. Mais c'est pas forcément. Ça donne une indication. Ouais, ouais. En fait, en full léger avec un stuff, on va dire pas HL, mais presque. C'est-à-dire où tu mises beaucoup avec un set critique et l'autre ressources dégâts, tu vas être à 67% de crit. Là, avec le kit du désarponneur en vigueur, je suis à plus de 60. Donc, ça équivaut. Par contre, c'est pas très malin parce que si ça se déclenche. Bah, c'est elle, hein. C'est elle qui a commencé. Ah merde, je me suis gouré de touche. Autant pour moi. Non, mais c'est moi, j'ai viandé la touche. Ouais, ça permet de juste s'entraîner en rotation. Ah, mais t'as la chatroom, Falcat. Oui, oui. D'accord. C'est long comme ça d'habitude? Ouais. Putain. Or, Alikir, oui. Le mannequin t'apprend à optimiser ta rotation, ça permet de s'entraîner pour la rotation, c'est tout. Dans le doute, blâmer la femme. Bah, du fride. Tout à fait d'accord. Oh. Tu veux? Vas-y, vas-y, vas-y. Non, trop tard, trop tard. Ah, il y a du boulot, les enfants. Il faut se répartir. Ouais. Et je vais à droite. Je suis à gauche. D'accord, je vais reste devant. Putain, les points de la guilde des guerriers, comment ça monte? Tu vois que ça en fait. Et l'XP. Et l'XP. Ouais, et l'XP. Vous me trouvez brutal? Comment pensez-vous que je vous considère? Oui, niveau 42, ouais. J'ai. Allez, avec un peu de cul. Foudre de terre. Oh putain, foudre de terre aussi. Bon, ben écoutez, je crois qu'on l'a effectivement dans le... Voilà. On rotationne. On rotationne. Ouais, mais tu connais le sens ? On a une chance sur deux. Ah oui, partant de ce postulat, effectivement. Alors, il y en a un tout au sud. Merci, Bimaximal. Merci beaucoup pour le Prime. Merci énormément. Ah ouais. Bah, allez, c'est parti. Et j'espère que tu vas bien, ma poule. Je suis au sud. Ok. Ah oui, mais... Il est au sud. Il est au sud. Donc, c'est chez toi. Voilà. Ouais. On a eu de la chance. Il arrive. Ça dépend avec qui tu fais les raids et dans quelles conditions. Les raids, c'est casse-couille, puissance max. Ça me fait chier les raids, je prends aucun plaisir à les faire. Surtout si on tombe avec des joueurs hyper exigeants, ça grave sévère. Ouais, non, mais. Oui. Non, non, on nous, fait ça nous, au sein de notre guilde. Nous, on est là pour profiter, tu vois. Enfin, voilà, non, l'ambiance est assurée. Faut courir vite. Le cheval. Ouais,
Le cheval, c'est génial. Moi, je le préfère en lasagne. Et alors ? L'homme est mortel et condamné à perdre, échouer et périr. Puis votre âme brûlée. C'est rigolo. L'anneau du salut. Attends, parce que... Attends, j'arrive pas à accéder au coffre. Vite, à l'autre. Oh, j'ai le collier du trameur. Ah, bien. Allez, plus que l'anneau. L'anneau. Mais là, t'as pas le temps de le lier. Non, c'est pour ça que je cavale avec vous. Ah non, tu peux le lier. Lis-le et tu te TP sur nous. Ça marche. Je suis à l'oratoire, mais j'ai pas le... Associé. Je me TP sur lequel d'entre vous ? Il est au nord. C'est... J'y vais. Ouais, j'y suis. Tu vois où il est ? Il y est. J'y suis. Ok. Mais... Putain, mais. Mais non, ça c'est celui qu'on vient de faire. Ah merde. Bon, bah j'attends. Ah ouais, on l'aura pas. Yes, on ça reste pas. Un jeu avant tout de ne pas se prendre la tête, c'est la base. Ouais, clairement. On l'aura pas, il est trop. Qui est où, toi ? Prends-le. Fais-le. Et Franck, le plus simple, c'est de TP sur moi. Je me TP sur toi, en cours. Non, le but c'est de s'amuser. Hein. Si c'est pour se prendre la quiche avec d'autres joueurs, non, merci. Je crois qu'on se la prend suffisamment au quotidien. Voilà. C'est ça. En plus, bonjour les mentalités dans les donjons aussi. Enfin, ça dépend. Il y a des groupes de joueurs qui sont intéressants, mais c'est un sur combien, quoi. Vous avez déjà fait des donjons DLC en vétéran, sinon on a fait des donjons en vétéran. Non. Mais pas de DLC. Il n'a pas commencé encore. T'y es ? Non, mais vas-y. Vas-y, fais-le. Nous, on reste sur l'autre. Mais t'es où, toi ? Je suis celui qui est au milieu. Milieu nord. Non, je cherchais Falcat, en fait. Ah, pardon. Là, on va taper le mammouth. Ok, il vient de commencer. Tapons le mammouth. Le temps qu'on arrive. C'est fini, ouais. Bah oui. Si vous m'aviez suivi dès le début, vous y seriez. Bah oui, mais vu que t'as une connexion en carton, parce que moi, il y avait juste écrit quitter le groupe, ça veut dire que t'étais en cours. Feu. Ouais. Feu. Excuse. Bah oui, mais c'est un fait. Excuse-moi. C'est pas de ma faute si t'habites là où il y a les fous, quoi. Et tu sais que dans 8 jours, j'ai la fibre. Je sais, t'arrêtes pas de le dire. On a tous retenu cette information. Je compte. Jamais. Je compte les jours. Jamais Falcat, il me retrouvera. Je suis trop bien caché. Cherche les mobs, surtout. C'est bien parce qu'il y a un joueur qui est venu me voir en se demandant « Mais qu'est-ce qui branle ?» Le plus pénible, c'est le champ de bataille en PVP. En équipe... De 4, si tu tombes sur une partie domination, il y en a toujours pour taper comme pour un combat à mort. Ouais, mais... C'est ça, c'est l'enfer. Hein. Mais je tombe que sur du combat à mort, moi. Depuis qu'ils ont remis les autres, je suis pas tombé une seule fois sur autre chose que du match à mort. Bah, honnêtement, ça me désole. Moi, tu vois, j'aimais beaucoup les donjons, mais quand t'as. Enfin, j'en suis écœuré parce que t'en as certains, ils font juste que rusher le donjon. Tu vois, où ils prennent des espèces de mini-circuits, tu vois, pour court-circuiter certains mini-boss, etc. Et en fait, ils vont direct droit au but. Ils t'attendent même pas, ils te regardent pas la gueule, ils foncent. C'est ça. Alors, quand ça leur arrive de se faire pouler, je peux t'assurer que je ne verse pas une larme. Ah non, mais moi, je ne heal pas. Dans les donjons, je ne fais que healer. Et je ne heal pas. Quand le groupe speedrun, je ne heal pas du tout. Voilà. J'attends qu'il tue le mob et je prends le loot.
t'en sors de ton côté, princesse ? Je viens de terminer, je suis en train de regarder le coffre. Yep, yep. Collier du trameur. Ah. On peut se casser, les gars. On non, peut c'est... Ah non, c'est l'anneau qui va l'objet. Mais ouais, mais oui, ah, mais oui. Merde. Dans le cul, je suis dégoûté. Bah après, le truc, c'est que quand tu te tapes une champignonnière, un perso, je me la fais solo en vétéran. Donc ça, c'est du full rush. Oui, mais je te parle pas forcément de la champignonnière, tu vois. Moi aussi, la champignonnière, je l'ai fait je sais pas combien de fois, tu vois. On comptabilise plus à un certain niveau. Mais t'as certains donjons, par exemple, tu prends la quête, t'as envie de le découvrir. Puis t'as toujours un cake. Ah, ça y est. Non, mais il faut surtout penser aux joueurs qui n'ont pas forcément fait la quête, que ce soit avec un reroll ou quoi que ce soit. Yep. Et ceux qui sont bas level, quoi. Ouais. C'est surtout ça. Après, tu vois que dans un groupe, tu as que des haut level. Bon, ben, tu peux te permettre. Franck, prends un côté. Ah non, mais c'est. Il y a Julie déjà. Ah, oui. Non, non, mais moi j'étais de l'autre côté en fait, Falcat. Hein. Ah, ok. Je reste au fond. Ouais. Après, il suffit de tag. Hein. GG. Félicitations. On fait le donjon journalier, ça y est, je suis 50. Ouais, mais on peut pas le faire. Mais on trouvera pas de random. PTS. Bah, et alors ? Ça va prendre une plombe. Ah non, non, c'est pas à toi que je répondais en fait. J'étais en train de me dire, et alors ? Pourquoi ça. Voilà. Yes, le coffre. L'anneau du trameur, je l'ai. Ah, bien. J'ai pris encore le salut. Moi aussi. Je voilà, l'ai. C'est bon. Mission accomplie. Voilà. On a le minimum. Oui, bah au moins on a le minimum, écoute. Hein. Déjà bien. Hein. Ouf. Les gens ne disent même pas hello, alors ils ne vont pas perdre de temps à échanger leur loot. Ah non, oui, c'est encore pire. Échanger le loot, on n'y compte même pas. On s'en va où, les enfants ? On va se jeter les vaches. Tu as déjà besoin ? Bon, c'est pour être bien pour le donjon. Moi, je suis à 57 sur 110, hein, donc ça va. Hein. Mais bon, comme vous voulez. Je suis à combien ? Ouais, je suis à 49. Bon, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va à Vivec ou on s'arrache ? Non, on fait transfusion. Non, c'est ce que je veux dire. Pourquoi t'es là, Falcat ? Ben pour essayer de récupérer. Ça y est, tu veux, pour une clé. J'ai l'anneau. Non mais ça y est. Ah voilà, non ça mais y tu ça viens y est. Je viens de le looter. C'est mais ouais, c'est gentil. Voilà, on est d'accord. Ouais. D'habitude, je fais un jour une quête d'artisan maître. Ouais. Tellement que j'en ai. Putain. Oh la satisfaction de l'avoir looté, putain. Pff, j'en pouvais plus quoi. Ouais. La satisfaction quoi. Je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est le cas. Moi, mon stuff PVP sur mon lame noire magie, c'est plasma ambré, trameur et gros dard. Ouais. Après, je vais te faire confiance parce que moi, j'ai pas regardé les 7. J'ai fait confiance. Enfin, le 4. Si, j'avais regardé, mais c'était pour l'autre elfe noir. J'ai regardé pour le 7 du Sprigan. Qui est un classique. Plasma ambré, je regarde. Plasma ombré, je crois qu'on l'avait déjà. On avait quelques morceaux du set, je crois. Ok, on le note. Vu.
J'aime beaucoup. Moi, j'adore. Ah, c'est Mazatoun. Mazatoun, on s'était bien marré d'ailleurs aussi. Hein. Ouais. Mmh. Ouais, c'est pas mal. En gros, c'est du full magie maximale avec de la régène. Ouais, la régène, je suis pas fan, mais. La régène, je suis pas fan. Mais après, ouais, ça, c'est cohérent. Vas-y, Julie. Franck, t'es prêt ? Oui, je suis toujours prêt, moi. Ah, mais il faudra pas qu'on se TP directement sur le donjon ? Eh oui. Bon, allez, laisse-moi y aller, hein, si tu veux. Ouais. Tu nous dis, hein, quand t'es... Oui. Je vais en profiter pour les crafts des glyphes, hein, et puis c'est good. Ah, c'est terrible la drogue. Mmh. Moi j'ai la peau de Mazatoum, je le kiffe trop ce donjon. J'aime bien les mécaniques. C'est bon, ouais, j'y suis. C'est vrai qu'il est sympa. Alors attends. T'es où toi? Ah oui, voilà. Tac, en cours. Je suis là. Falcat, vu que tu m'as dit au niveau des points champions qu'il fallait pas suivre les préconisations de désastre, du coup je sais pas quoi mettre. Je te dirai. Okay. Eh ben c'est parti. Pourquoi t'es 50 là? Non. Je suis 49, mais je serai 50 à la fin du donjon, quoi. Ah, tu les as pas mis? Alors. Non, je ne les ai pas mis. Ah, mais tu sais que tu peux les mettre, tu sais qu'ils sont pris en compte. Est-ce utile de looter les reliques, genre gilet du vampire, pour équiper un perso? Comme tu m'as dit de pas suivre des astres, j'ai préféré ne rien. Ah, désastre, le désastreux. On va le faire. Hein, Falcat? J'avais une question pour toi. Est-ce utile de looter les reliques, genre gilet du vampire, pour équiper un perso? Moi j'ai mis sur mon PVP, j'ai mis la tête de Cytis. C'est pour ça que ça te donne une idée. Pour moi oui. C'est quand même intéressant. On a déjà la grosse. Ouais. Non, la moyenne. Moyenne ? Il y aura un coffre. À côté. Ah, merci. En cours. Quelle atroce bestiole ! Escouade par ici ! C'est fait. Il y a le kilt qui est intéressant aussi, non? Ouais, un PVE, ouais, le kilt, ouais. Le kilt est vital, presque, pour un DPS vigueur. Tu me l'as fait mettre sur mon DPS magie, moi. Attends. Ah oui, mais c'est... Mais maintenant, ça donne les deux. D'accord. La plupart des reliques sont utiles. À part l'anneau de l'ordre pâle quand tu fais du malestrum ou du contenu solo. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a l'arpenteur de neige, je sais pas quoi là. Je le trouve franchement moyen. Enfin, c'est pas super utile, quoi. Oh mon dieu, cette araignée en tank. Ah, ça te plaît, hein, Julie? Merci les gars, franchement. Et chacun ses problèmes.
Allez, dans ta face, l'araignée. Reviens. Reviens, je suis là. Non mais t'inquiète, c'est normal. Normal, ouais. C'est normal qu'elle saute sur les gens, mais j'attends qu'elle revienne après. Oui, 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 il faut un petit temps, t'inquiète. Je suis là. Bim. 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 Allez. Oh, le poinçon du trameur. Sérieux? Comment c'est possible? Ouais, mais c'est pas le même, hein. Oui, mais ça me fait rire. Bah ouais, j'avoue. Julie? Voilà. Oui? Julie? Y'a rien du tout. Y'a rien du tout à avoir un petit moment là. Donc on peut. Oui, oui, mais. Les gens qui rushent comme ça les donjons. tu es tank, qu'il faut attendre ton groupe. Merde. C'est bizarre, ça fait comme un. Mais... Ah, bah putain, de l'écho, c'est fou. Ah, elle parle comme un tank, ça fait. C'est pas le truc. Non, putain, j'ai envie de pleurer d'un coup. Ce petit oisillon qui est devenu si grand. La chuchoteuse ordonne. Il y aura un coffre. J'ai besoin d'aide. Ah, j'aime bien, ça fait. J'ai besoin d'aide. Oh. Alors, le coffre. Là. Yap. Oh. Allez, on court. C'est bizarre, j'ai plus mon bonus de points de vie. C'est fait. Ah bon? Avant, en donjon, j'étais à 35 000 et là, je reste à 28 000. Ouais, mais ton staff, il est de... Niveau 40. Quel... Je sais pas si t'as déjà vu. Alors, je crois que c'est pour toi, princesse. Oui. Je sais pas si tu as déjà vu Velidress, mais elle est pas mal comme araignée aussi. Mort de rire. C'est celle qui a un énorme derrière. Ouais, je crois, ouais. C'est et celle qui a... est rouge. Je crois, ouais. Je crois que c'est bien celle-là. Elle est horrible. Non, mais après, moi, je comprends, hein. C'est... Voilà. Alors, pour t'expliquer, Julie, en fait, le set, il s'adapte à ton niveau. Mm. C'est-à-dire que si par exemple tu as un set qui te donne. Je te dis une connerie. Il va te donner 2000 de magie, admettons. 2000 de santé, par exemple. Et ben. Si tu es plus de 10 levels, ou presque 10 levels, et ben ça sera plus que 1000. Mais je croyais que ceux qui étaient en dessous du niveau 50 avaient un bonus en donjon. Ah ouais. Et que c'était ça qui me faisait augmenter mon oui, juste en donjon. Oui, mais tu as un bonus, mais le bonus, il est décroissant. Là, ton bonus, il doit être pratiquement à zéro. Ah bah oui, là, il est pratiquement à zéro, en effet. C'est le boss du... Alors, on me dit c'est le boss final du Berceau des Ombres. Ah oui, il est bien, ouais. C'est bien celle dont on parlait, non? Ouais. Ouais, ouais, bah oui. Alors je visualise effectivement, belle bête. Oui, enfin, on est dans un univers Heroic Fantasy, hein. Des araignées monstrueuses, c'est normal. Hein. Comme, enfin, peu importe, les animaux monstrueux qui ont la taille d'un bus, c'est normal. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Ils veulent nous l'arracher. Arrêtez-les. Des croissants. Des pains au chocolat ou des chocolatines, hein, en fonction de la région où on l'a trouvé. Ouais. Boss final. C'est ça. Ouais.
GG. GG. Bon, c'est fait. Collier du spéléologue. Alors, je vais l'associer de suite. C'est bon. J'ai un peu de prière pour celui que ça intéresse, c'est pour heal. Et spéléologue la ceinture. Ça t'intéresse, Julie? Alors, ceinture du spéléologue, je l'ai. En prière, j'ai looté les gants et les jambes. J'ai les pieds et les épaules. Alors, attends, prière. Touk, 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 touk. Les pieds et les épaules, j'ai déjà. Ah, bon, ben voilà. On peut se casser. Ouais. Touk, touk. Quittons l'instance, s'il vous plaît. Ça fait du bien. Salut René, comment vas-tu? Salut René. Salut Hippocrate. Salut. Ouais, on va faire un donjon public. Un donjon public? Ouais, pour l'XP. Tu penses auquel? Je sais pas. Pitié, pas celui d'Avrogas. Enfin, il me sort par les yeux. Avrogas! Putain. Ben, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est la punition, tu ne peux pas faire ça. C'est pas humain de faire ça. Il est chiant, mais il est chiant, mais tu XP? Ah ouais, tu prends grave du XP. Attends. Tu as combien de guides de guerriers, Julie? Comment ça se fait qu'on micro décolle comme ça? Niveau 4. Oh, on m'entend pas. De quoi? Si, on t'entend. Non, mon micro déconne. Comme hier? Ouais. Vous m'entendez mieux là? Oui. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est le gain qui est en train de crever. Est-ce que c'est mieux du coup? Oui, c'est mieux. Oui. Ouais. J'ai l'impression que c'est le micro, il est en train de crever quoi. Ouais, il est en train de, je crois qu'il est en train de dire carrément mieux. Ouais, ouais. Mais je pense que mon micro, bon après il a fait quand même 8 ans de YouTube avec Fred, 4 ans avec moi, je pense qu'il a bien vécu quoi. Donc. Pouvez-vous TP? Ah, oh, mais il fait vraiment un vrai glace en plus. Non mais c'est un salaud, c'est un salaud. Paix à son âme au micro, ouais. Mais... Pour un tank off, on va dire un peu plus off. Guide des guerriers. Il te faut au moins une ou deux compétences. J'en ai une. Oui, tu en as une. Et des passifs, il te les faut tous. Les passifs, il me les faut tous. Ok. Ça va les... Au moins les trois premiers. Et c'est pour ça qu'on fait Havreglace, parce que ça va m'augmenter la vie. Eh oui. Ça marche. Ça marche. Pour le plus grand bonheur de Franck. Ouais. Ah, non, mais au moins c'est justifié. Quel c'est bonheur. Justifié au moins, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, c'est justifié à mes fesses. C'est la punition, c'est tout. Il est très bien. Ah! Une petite piste. GG. Merci. Ouais, et ben moi je ne dirais pas GG. Je boude au fond. Je m'en fous, tu vas devoir le faire quand même. Je vais le faire parce que c'est une question de groupe. Il y a un éclat au milieu de la du point d'eau là. Ah, ben... Feu. Feu. Gna à l'Havreglace, j'ai passé tellement d'heures à l'Havreglace. Non mais Franck, regarde la couleur de cette eau, c'est magnifique. Eh, tu sais que je l'ai contemplé aussi pendant des heures, pendant que je pêchais. Ah ouais. Ouais mais on t'a pas obligé de pêcher, tu as mieux à faire sur tes eaux. Ouais, et ben justement, je voulais débloquer le succès.
On va dire que je suis suffisamment tordu pour le faire. Ouais. Bon, on va dire ça. Si vous voulez farm, vous pouvez aller à Frôle-Ciel. Frôle-Ciel, tu farmes la guilde des guerriers, c'est uniquement des morts vivants. Ouais, mais là c'est pareil, là Frôle-Ciel, c'est Frôle-Ciel, Frôle-Ciel. Bonne nuit Tanar, des gros bisous. Bonne nuit. Bonne nuit. Puis il est rigolo celui-là. Alors oui, qu'est-ce qu'on va se marrer. Ah, surtout que le taux de repop, il est violent quand même. Hein. Oui. Ah, faut prendre la quête. Alors, il y a deux quêtes ici, je crois, en plus. J'ai besoin de votre aide. Vous. Bon, là, on la prend vite fait. J'aime pourtant bien chill sur tes os, mais la pêche, ça, j'y arrive pas. Oui, mais c'est utile, la pêche. À quoi ? Le caviar. Ouais, tu vends pas. Tu fais pas partie d'une guilde. Non, mais vous le vendez pour moi. Ouais, elle a raison, Julie, de te faire que 50%. C'est pas à toi que je parlais. La deuxième quête est juste là. Ouais. Pratique, ça. Ouais. Ah, il y a des joueurs qui sont déjà passés par là. Allez-y, je vais vous suivre. Et je m'occuperai des accros au fur et à mesure. Alors, que vous les trouvez. Ouais, on saute et il y a un boss juste à gauche. Ouais. Hop là. Le pire truc, la pêche. Salut Freeman, comment vas-tu? Ouais, mais moi je suis tordu, je veux faire les. Ouais, mais je te dis, il y a des joueurs. Parce que là où il y avait pour prendre la quête, normalement il y a c'est perclus de mobs. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de cliner gentiment. On a la quête qui est juste devant, on peut faire vite fait l'aller-retour le temps que ça repop. Ça repop? Oui, on peut. Hein. Moi c'est ce que j'avais fait aussi hein, pour certains. Donc. Faites le guet pendant que je ferme ça. Ouais, voilà. Ça va moins vite sans pack-up. Ah ouais, ouais, ça. Pourquoi ça bosse? Bah. Non, c'est pas un boss. Un mob à 200 000. Tranquille. Hmm? Mais j'ai pas besoin, non, mais. Ah, moi! C'est fait. Ils sont tous. Ça suffit pas. Pour ce que vous demandez, il m'en faut davantage. Comment vais-je bien pouvoir faire afin de vous livrer? Oh là là, putain, cette rhino, là. J'arrive pas à m'en débarrasser. Hein. Il y a un trou de pêche à faire en attendant. Trou de pêche sale. Ouais, alors attends, c'est ouais, rampant à pas sale, ok. Des bisous à toi, Torquedou. Bonne nuit. Bonne nuit. Et des gros bisous. Mais à la limite, j'ai repéré un micro-casque. Je me souviens plus de la marque. J'en ai repéré deux. Un de la marque Behringer, mais je trouve qu'il est pas. Il a pas l'air top au niveau micro. Non mais c'est dommage, tu viens de l'acheter ton. Lequel? Ton Corsair. Il est pas vieux. Hein. Non, il est pas vieux, mais bon. Tu l'as acheté il y a quelques mois. Ouais, mais si je dois prendre un nouveau micro, je pense que je préfère prendre un casque micro de qualité, tu vois. Il y en a des très très bien. C'est un peu de la merde, les casques micro, hein. Ah, de manière générale, les micros. Tu vas sur le site Shure. Ouais, c'est. Tu sais, c'est plutôt spécialisé dans le son aussi. Hein, donc. Moi, je trouve que c'est de la merde. De quoi? Les casques micro? Ah, ça ne remplacera jamais un vrai micro, on est d'accord. Et des micros à moins de 100 balles, tu en trouves, hein? Ouais, mais je préfère. Je préfère aller vers les marques que je connais, tu vois. Surtout, voilà, par exemple, le Shure que j'ai, si je dois en reprendre un, ça sera le même modèle, tu vois. Ouais. Sinon, il y a Andorre.
oui aussi. J'ai pas compris la blague. T'inquiète, je t'expliquerai. Ok. Cet été, tu vas en Andorre. Et je fais quoi en Andorre ? Avec ta carte bleue. C'est surtout ta carte bleue qui est le plus important. Faut bien retenir, carte bleue. Ben, en gros, la cartouche de clope, à l'époque, tu devais la toucher à 17 000. Question bête, pourquoi prendre un micro-casque alors que tu as un micro dédié ? Tu veux dire le chour, là ? Ouais, il déconne, j'ai l'impression. Et c'est bizarre parce qu'il déconnait pas, donc... Ouais, ouais, en cours. Ok. Bouclier de prisonnier. Bon. Allez, zoom. C'est rigolo quand même, ça fait deux jours qu'il fait ça quand même. Hein. Oui. C'est depuis que j'ai fait les tests micro. Il doit commencer à être fatigué. Ouais, je pense. Bon, en même temps, il est plus tout jeune. Hein. Attends, Julie, attends. Mm-hmm. Ok. C'est propre. C'est quoi le souci? Oui, je suis curieux. Au niveau du gain, il rediminue, il redescend d'un seul coup sans savoir pourquoi d'ailleurs. Ah, caisse. Ouais. Caisse? Oui, non, mais ça y est, récup. Les caisses, c'est comme les sacs. Ouais. Ah, d'accord. Mais pour en reclasse. Ok. Ouais, je confirme qu'il y a, il y a quelqu'un qui a dû cligner la zone. Hein. Ouais, parce qu'il y a un boss. Ouais, il y a un boss, et puis surtout ici, c'est pareil, il y a du mob à, en veux-tu, en voilà. Bah, il vient pas, ce con. J'arrive pas à activer le truc. Ça y est. Comment ça, ça y est? Ah ouais, ça y est. Ah bah, il est derrière le joueur. Et c'est fermé. C'est fini. Ah, j'ai trouvé une piste. Alors, enfin, je pourrais couler. Enfin, vous régnerez. Lorsque le glissement de terrain aura avalé toute la forteresse. Ah, je vais te dire ça. Pilier de tourment d'Edric. Ah, je croyais que tu me demandais le nom de la piste. Oui, oui. Oui, mais. C'est que tu l'avais retenu, quoi. Quand elle avait apparu. Stupide. Tout ça pour non, non, je lis après. Non pas que j'ai quelque chose contre les orques. Et bonsoir à Kyrus, merci beaucoup pour le follow, merci pour ta confiance. Hello. Et j'espère que tu vas bien. Salut. Si c'est un micro USB, c'est probablement un problème logiciel, Windows ou autre. Tu crois, Freeman? Même, j'en ai jamais eu jamais eu de problème, je vois pas pourquoi maintenant, tu vois. Enfin... Tu penses que ça pourrait venir de Windows? Si c'est le cas, bon. Pourquoi le diminuer d'un coup, tu vois, enfin... Ça jamais eu ça. Hein. Ouais, je sais pas. Non, après, comme je disais, il a quand même. Il a eu 8 ans dans les pattes avec, avec Fred. Un peu plus de 4 avec moi. Bon. Hein, à un moment donné. Après, je regarderai, hein, Freeman. Si c'est ça, moi, ça m'arrange, tu vois. Enfin, parce qu'il est bon. J'aime beaucoup le micro que j'ai. Hein. Ben, il est quali, quoi. Ah oui, un autre boss juste en dessous de la toiture. Ok. Ah, le piste doublée de Sangay. Oh, bien. Ouais. J'avais jamais eu celle-là. J'arrive, hein.
Ah, d'accord. Et... On a une quête là-dedans. Oui, tout ouais. à fait. Tu aurais des idées pour réparer ça? Le mien est HS depuis des années, mais j'ai jamais cherché à le réparer. Sinon, essaye de remplacer le câble USB si possible et regarde si ça continue. Ouais, ou sinon, oui, changer le câble USB, quoi. Ah, regardez. Ici, Urgoz. Princesse? Partez, ah, boss. Princesse? Oui. Là, le gars. Ça y est. Tu l'as fait? Oui. Ouais. Je vous le répète, je ne veux plus être. Et voilà, le contremaître est mort, parfait. Ça a été rapide. Tout dépend de ton problème, quels sont les symptômes? Ouais, je peux toujours essayer de changer le câble USB, on sait jamais. Bon. Ah, je sais d'où vient le problème, ça y est, je crois que j'ai compris. Ça peut être un faux contact aussi. Non. Ça y est, je sais d'où vient le problème. Il faut que je crois que j'ai trouvé en fait. Ça y est. Je me souviens d'une manip que j'ai fait pendant mes tests micro, ça y est. Je le ferai lundi parce que je serai plus tranquille, mais ça y est, je crois que j'ai trouvé. Ça fait pop dans ma tête comme du popcorn. Après. On essaye celui-là. Tu as activé le gain auto? Ouais. Non, pas le gain auto. Je pense que comme je l'ai branché sur un autre support et que celui-ci déconne plein régime, je pense qu'effectivement Windows a dû changer les configurations de mon micro. Attends. Donc je vais vérifier. Ah, pardon. Non, je croyais que t'étais pas là en fait. Ah bon, d'accord. Ah non, mais je suis derrière vous, hein. Et voilà, 43. GG. Ça fait plaisir. Et je pense que tu as raison, il faut que j'aille voir sur le logiciel, enfin sur Windows, voir s'il a pas tripoté. Ça aussi ça m'énerve quand ça prend la main comme ça, tu vois. Il y a des connards sur le côté. Et on va y revenir ici en fait. Là, si on prend ce portail là de mémoire, ça nous amène sur la petite île qui a le... où il y a le boss. Ah. Attendez, hein, je prends mon point. Et ouais, c'était bien ça. Le boss est là. Ouais, le boss est là. Mais il a personne. J'ai un micro USB et je me fais avoir aussi. D'accord. Bah écoute, je regarderai ça proprement. C'est bon, j'y suis. Ok. Allez, au boulot. Je suis content que vous vous battiez contre les Dédras. Oh, piste doublée de sanguin. Ah, bien. La même que moi. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, Freeman, c'est quand je l'ai mis sur mon hub. D'accord. Ça a dû perturber Windows qui a décidé de changer la configuration. Ce qui explique pourquoi effectivement il le met en automatique, je pense. Et ce qui explique la chute de gain d'un coup. Enfin, il a pas à prendre la main. Putain, je déteste ça. Comme quoi, tu vois, des fois c'est tout court. Si c'est ça. J'espère que c'est ça parce que... Ça m'emmerderait, enfin quoi que, c'est peut-être le câble USB aussi qui est fatigué. Hein. Alors, d'après la quête, il faut sauter. Ouais. Eh ben, sautons. Sautons. Ouais, il faut sauter, aller sur l'île. Il y a aussi mode économie d'énergie sur les ports USB qui fait bugger. Ouais, Franck. Ouais. Regarde, on est à une autre quête qui est sur cette île là. Ah oui, tu très juste. Ouais, j'arrive avec toi. Ok. Mais tu l'as pas fait celui-ci, Falcati? Ah, si, je les ai tous faits avec ce perso. Avec ce perso, tout? D'accord. Ouais. Toutes les intres, tout. D'accord.
Ok. Ah, c'est sûr qu'à 3 ça va beaucoup plus vite quand même. Hein. Ah oui. Allez, on fait la casse-couille Rikela. Le guet pendant que je ferme casse. Ça. Ouais. Soit d'araignée brute. Ah bah ça fait plaisir. Nous monte. Notre accord tient toujours, n'est-ce pas? Oui. T'as rendu la quête, Franck? Non. Vous aurez votre or. Excellent. Et maintenant, comment puis-je sortir d'ici? Attends. Ça faisait pas partie. Monsieur? Très bien. Plus personne. Ok, cool. Putain, 12 000 points. T'es loin du 50, Julie? Elle doit être à quelques encablures. Ouais, je suis à 16 000 XP. Bon, à mon avis, quand... oui, voilà, quand on fait une donjon, elle est niveau 50. Ouais, c'est ça. Large. Je suis à 91% du niveau. Ah. On est bien, Tintin. Hein. Je préparerai le banquier. Tu sais qu'elle va râler ? Non, mais il faut que tu te restaffes. Oui. Dès que tu le passes, parce que sinon tu feras plus rien. Ok. C'était rigolo. Montez, Zirani. Alors attendez, parce qu'il faut il tuer le boss. Une correction. Ouais. Il faut monter. Ouais. Le contremaître est fâché. Le contremaître me déteste. Ouais, le contremaître te déteste. Bah, allons le tuer. Comme ça, ça libérera la nénette. Il est là. Nickel. Madame ? Vous êtes revenue, c'est surprenant. Voilà. Et tu dois pas parler à quelqu'un, Julie ? Tu voulais non, pas parler ? Aller au perchoir du surveillant. Ah. Ah bon ? D'accord. Ouais. Ok. Alors, on va aller tout droit. Ah oui, c'est le bas. Pardon. GG. Bravo ma belle. Enfin le niveau 50. Par contre, le banquier païtien, peut-être. Ah, oui, parce que le taux est, enfin voilà, peut-être en contrebas ou dans un coin, par exemple, ouais, là, ouais. Tu vois. Ouais, ouais. Sinon, ça va être vraiment casse-couille le temps qu'elle se change, quoi. Là. Oui, voilà, tu vois, parfait ici. Il est sorti. Si. La force de l'habitude. Prisonnier, je sais plus ce qu'il fait. C'est pas ouf. Oui, il y en a un qui est pas mal ici. Lequel? Je sais plus lequel c'est, mais je sais qu'il y en a un qui est pas mal. Ouais. Euh...
place. Le, pour les tanks, le beignet est pas mal. Ah, et toujours le... Avre-Gas. Ah, c'était le Stygien pour toi. Ouais, c'était le Stygien, ouais. Ah, le Stygien, moi je l'avais looté, mais comme un gros chien quand même. Bah, t'as mieux. Te permettra de. Tu as combien de pièces sur le Stygien? Attends, je vais te dire ça. C'est dans quoi d'hiver? Havre-glace. Ouais. Stygien, j'ai le casque, les coques d'épaule, le gilet, barre à sabre, baudrier, garde, jambes, l'épée à une main, l'épée à deux mains, l'arc, le bâton de guérison, le bâton de glace. Donc il t'en manque 3 ou 4. Bah, il me manque les bijoux, par exemple. Ah, ouf. Il me manque la dague, la hache, la masse, la hache à deux mains, la masse à deux mains, le bâton de feu, de foudre et le bouclier. C'est quoi le prix en cristaux? 48. Fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais après, il est quand même facile à... entre guillemets à looter, parce que moi j'ai pas eu de difficulté à le choper quand même. Ouais, mais ça fait beaucoup. Ça serait bien que tu aies une ou deux pièces de plus. Avec ce perso? Ouais, avec ce donjon. En faisant le donjon. Ah, ça serait bonheur, ouais. Et salut, j'ai 40 piges, comment vas-tu? Ah, ça y est, vous avez terminé? Ben, Julie apparemment a décidé que c'était terminé. D'accord. Oui, je voulais tester. Oui, mais tu peux pas juste nous prévenir avant de te jeter comme une calue, quoi. Vous parliez, je déteste couper la parole aux gens. Oh là là. Les gens qui ont une éducation comme ça. Je me gosse. Parce que le gosse bête. Voilà, je l'ai fait, je ne regrette pas. On va même pas remarquer. Si, t'inquiète pas, ça sera remarqué. Oh, je suis pleine. Ah ouais, c'est ça de pas mettre en banque. Ah, on a de la chance. Tout le loot que je laisse. Tiens, non, là, le banquier derrière toi. Allez. Tu sais qu'elle est en train de serrer les miches, rien que tu lui as dit de banquier. T'as tous les sphincters qui sont... Qu'est-ce que je vais mettre? Ok, bon, ma banque est pleine. Tiens, le vendeur. Eh ben, t'as qu'à vendre. De vendre, princesse. Merci. Franck. Oui. Ah non, mais moi, je suis tranquille. Franck. Oui, bah, m'engueule pas, qu'est-ce qu'il y a? Ça servait à me crier dessus, hein. Je crie pas. Non, tu parles normalement, c'est vrai. Oh putain, tu les as lootés? Non. Non, tu vois pas. Oh, le cul qu'il a, mais c'est pas possible. Attends. Mais oui. Oh là 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 là. Par contre, je les ai pas, hein. Alors fais un bon usage. Oui, monsieur. Bon, tu sais comment je vais en faire usage? Oui, mais... Voilà, hein. On sent que ça t'arrache un peu. Oui. Ah, Falcade, cette mère poule qui me déteste. Ouais.
Après, on va devoir passer par des grottes à un moment donné. Et je crois oui, que ça route. Faut que tu fasses des attaques légères entre. Entre les phases. Ouais, entre tes attaques. D'accord. Sinon, tu vas bouffer ta vigueur à une vitesse grande. Ouais. Ah oui. Il y avait des mecs à côté. Ah ouais? Hein? Non, mais ne repartez pas! Oh là là. Là. L'éclat! Bah oui, mais il y a des mecs. Mais l'éclat! Franck, oui, j'ai oublié. Un vrai poisson. Oh, pour 3 cakes, sérieux? Oui, 3 cakes. C'est de l'XP. Mais je ne dis pas le contraire, mais l'éclat était plus intéressant. On a fait les deux. On peut tuer paisiblement, tu sais. Alors, il manque. C'est boss. À gauche, là. Ouais. Il nous manque un boss, en fait. Enfin... Deux. Oui, mais ils sont en hauteur, en fait. Deux. Et en fait, il nous en manque trois. Et il y en a un en hauteur et deux dans les grottes. Ouais. C'est ça. Mais en fait, il faut d'abord terminer la quête. Je crois pour avoir le troisième boss, non? Je sais plus. Non. Non, tu peux l'avoir quand même? Bon, la quête, elle rapporte aussi, hein, de mémoire. Ah oui. Par contre, je m'inquiète un peu, Julie, t'as qu'à 29 000 de... Enfin, 30 000 de vie. Eh ouais, ça a quasiment pas augmenté mes points de vie. Tu es et paisiblement dans la même phrase, GG, je sais. Tu sais, c'est tout un art. Ouais. Après, souviens-toi que je n'ai pas mon set de monstres et qu'on a dit qu'on verrait le set de monstres en fonction de mes stats. Ah ouais. Ouais, ben là, y a pas trop le choix. T'as combien d'armure là? Tu parles de résistance physique? Ouais. 23 500. Donc ça fera du 25 000. Ça passe encore. Accordez-moi 2 secondes, je claque des points. Ok, c'est bon. On regardera après. On regardera après. Pas grave. Tu as les achats dessus? C'est un oxymoron. Ouais, j'ai les enchantements. Une pierre d'âme, une caisse. Certains sont vigueur, certains sont santé. Une photo de Madame Calloway. Elle a combien de vigueur? Vigueur, je suis à 25 900. Oh. Tiens, pas la bouffe, c'est pas possible. J'ai la bouffe à couronne. Mais même avec la bouffe à couronne, normalement tu devrais pas être à 25 000. Non. Bah écoute. Non, mais Faut que je vous laisse une minute. Désolé. Ouais, non, mais prends ton temps. C'est pas. Y'a pas de stress. Pas de stress, y'a point S. Oxymoron à se faire. Excellent. Ah. La musique adoucit les mœurs. Je comprends pas.
Pourquoi ça adoucit? Non, je comprends pas son but en fait. Pourquoi elle est aussi peu? Elle a bien réparti ses points. Ah ça, parce qu'elle a mis tout vigueur. J'espère pour elle. À moins que ça soit le 7. J'espère pas pour elle. Ah, Siegfried me demande, est-ce qu'elle a déjà slot ses CP? C'est une bonne question ça par contre. Ah, les CP. Et ouais, il a raison. Et je crois qu'elle a dit qu'elle avait pas fait justement. Falcade, je sais pourquoi mes stats sont aussi basses. À cause des points champions. Et bah voilà, il y a même pas une minute, Siegfried, t'as eu le nez creux. J'y ai réfléchi pendant que je faisais pipi. Et ça m'a fait tilt. Est-ce qu'on les fait maintenant ou balai qu'on finit le donjon comme ça? Ouais, les fait maintenant. Allez. Oui, bon. Non, mais il y en a pour 5 minutes, c'est bon, on a le temps. Hein. Alors, je suis dans guerre. Guerre. Alors, guerre. Repousser la mort. Tu prends le côté vigueur, discipliné à la sable. C'est pas encore débloqué. Là, je peux intuition indicible, précision et discipline à la sable. C'est tout ce que je peux. Discipline à la sable. À fond. À fond. C'est pas mon morceau préféré de toute façon. Ok, repousser la mort. Récupération rapide. Ouais. À fond. Voilà. 10 points robuste. Préparation et Gide. Les trois. D'accord. Ouais. Que 10 points dans Robuste, 10 points dans Préparation et 10 points dans Égide. Ouais, pour manière d'avoir le premier truc. C'est bon. Il te faudrait un de ceux qui ont les trois qui sont en dessous. Tu choisis celui que... Endurance infinie, agression sauvage ou suprématie arcanique? Non, invulnérable, détermination, rebuffade. Un de ceux-là, ce qui te semble le plus... Peut-être les effets de zone sont un peu plus intéressants. Tu mets juste un truc, c'est pour en attendant. C'est bon. Ensuite, tu remontes. Puissance étendue. J'y suis. Un trait percé. Juste à 10, c'est ça? Ouais, on verra là, ce qui te reste après. Ok. C'est bon pour percer. Ouais. Maîtrise de combat. C'est bon. Puissance. C'est bon. Tu reviens. Là, tu vas faire plus des dégâts de... direct. Donc, capitaine d'armes. C'est bon. Visée mortelle. C'est bon. Donc là, tu as 3 étoiles actives, on est d'accord. Alors attends, 1, 2 et 3. Moi j'avais mis agression sauvage. Tu sais, les 3 détachés. Mais si tu es en galère de vigueur, peut-être qu'il faudrait mieux que tu mettes vigueur. Bah, je sais pas trop du coup. Peut-être ça dépendra du set de monstres. Ouais, laisse là pour l'instant. Ok. On va passer au rouge du coup. Je confirme rien. D'ailleurs, il faudrait que je remette mes points comme il faut. Merci au parcours gratuit de respect. Non mais attends, Franck. Non mais pas moi, je lisais la chatroom. Ah, d'accord. Non, détends-toi, t'inquiète. Moi, je suis en train de faire le con. Je confirme au moins cette partie-là ou vaut mieux pas? Ouais, tu peux. Ok, je suis dans le rouge. Salade, tomate, oignon, les 3 sur le côté, là. Ouais. En gros, à gauche. Vitalité limitée, fortifié, rajeunissement.
Ouais. Je les mets à fond, les trois. Non, tu mets 20 points pour l'instant. Et... Oh. Ok. Non. Là, tu as ceux du milieu, tu as quoi? Sprinter? Acrobat et sprinter, oui. Ah. Sprinter, premier palier. C'est bon. Hatif, juste au-dessus, la violette. C'est tu, bon. tu peux tout mettre, c'est que... Ouais, c'est que 10. Ok. Gardien infatigable. C'est bon. Fortification, tu peux tout mettre. Ne vous inquiétez pas, je fais juste un spectacle son et lumière. C'est bon. Forteresse ambulante, protecteur agile, c'est gratuit, c'est 6 points. C'est bon. Défense sauvage, tu peux mettre les 10 premiers points. C'est 15 premiers, mais ouais, c'est bon. Oui, okay, oui. Tu reviens sur piste du vent, à gauche, tu as vigueur héroïque, tu mets à fond. C'est bon. Là, t'as le choix. Soit tu prends un renouveau sanglant pour la vigueur. Moi, je pense que c'est le mieux. Si t'as du heal, de l'auto-heal. J'ai de l'auto-heal, ouais. Donc, je mettrais plutôt renouveau sanglant. Sinon, tu aurais dû mettre réserve stratégique. D'accord. Et maintenant, je vais faire disparaître mon assistante. C'est ça. C'est bon. Tu reviens sur vigueur, à gauche tu as rancœur du survivant. Mmh. Premier palier. C'est bon. En dessous, acrobate, premier palier. C'est bon. Résistance, premier palier. C'est bon. Tu combles les trois du haut. Salade, tomate, oignon. Donc c'est-à-dire qu'avec tous les points qui me restent, je les mets à fond. En priorité, les trois premiers. C'est bon. Et en priorité, gardien infatigable. C'est et fortification, tu l'avais mis à fond. Hein. Oui. Voilà. Tu peux... combler ténacité, rancœur, ténacité mystique, rancœur du survivant. C'est bon. Il te reste des points ? 10. 10. Soit sprinter, soit acrobate. C'est bon. Renouveau sanglant, t'avais mis combien ? Premier palier ? Attends, il est où celui-là déjà ? Au-dessus de pisteur du vent. Ouais, j'ai mis 10 points, ouais. C'est la priorité, absolue. Ah. Après, hein. Donc là, les rouges, c'est fait. Les rouges, c'est fait. On revient sur le bleu. Je suis sur le bleu. Celui que t'as choisi en bas. Oui. Tu le montes à fond. Bah ouais, mais on avait rien choisi justement. Ouais, un de trois. En gros, tu en as un, c'est les effets de zone. L'autre, c'est les dégâts persistants. Style saignement, givre, etc. Et l'autre, c'est les attaques directes sur cible unique. Moi, je pense qu'invulnérable, c'est le mieux, mais bon. Dans le bleu ? Ouais. En dessous de repousser la mort. Au milieu. Ah oui, invulnérable, j'avais mis 10 points. Là, je mets à fond, c'est ça ? Ouais, tu peux. C'est bon. Discipline à la sable, t'es à 20, on est d'accord ? Oui.
en haut, percer, tu mets à fond. C'est bon. Maîtrise de combat à fond. C'est bon. Il te reste combien de points? 133. Garde 150. Quand t'es à 50, tu me le dis. D'accord. C'est ça, Sylvana. Capitaine d'armes à moitié. Je sors. Ok. C'était bon. Et après, on avait mis visée mortelle. Oui, moitié aussi. Moitié aussi. C'est bon. Il te reste 103. Bon, il est bien. À la limite. Oui, Freeman. Reviens dans Repousser la mort. Oui. Tu complètes tout. Là où tu avais mis. C'est bon. Très bien. Précision qui est juste au-dessus. À fond. Ouais. Si je mets à fond, il me reste 53 points. D'accord, parfait. Après, tu peux aller chercher. En fait, après, t'as plus besoin, quoi. Oui. Tu as fond partout. Sauf capitaine d'armes et visée mortelle où je suis à moitié. Ouais, ben, capitaine d'armes. Et parmi suprématie arcanique, agression sauvage et endurance infinie. Et garde 52 points pour ça, justement. D'accord. Ben, il m'en reste 53. Mets 3 points, capitaine d'armes. Ok. C'est bon. Attribut. C'est fait. Reviens. Oui. 32 000. Combien 30... de vigueur? Ah. J'ai 30... ouais, 32 000. Il ne faut pas trop écouter des astres. Moi qui me base sur son site pour mettre mes points. Ah non, pardon, skills. Putain. 26 400 de vigueur. Honnêtement, à force, tu apprends aussi, hein, Michael. Je veux dire, tu lis aussi les différents intitulés, tu prends connaissance de cause. Hein. Bon, sachant que la bouffe, hein, c'est pas l'idéal. Et il y a aussi au niveau des caractéristiques, je suis à 25 de santé, 37 de vigueur et de 2 quoi de donc magie. Pour savoir où placer les points. La magie, bah, parce qu'il a touché au bah tank ouais, aussi. Comme j'étais partie pour suivre des astres et que des astres dit qu'il faut mettre un peu de magie. On se voilà. Ça, hein. Ouais, tu pourras virer les 2 points pour les récupérer. Les 3 du niveau 50, tu les as mis? Oui. Après, Michael, tu sais, il y a des sites. Enfin, moi, je m'étais un peu renseigné aussi. Tu as des sites américains. Résistance, qui sont, tu as combien? Qui sont bien foutus aussi. Enfin, voilà. 25 000. Faut regarder s'ils sont à jour aussi. Ça compte énormément. Avec le truc pour augmenter ton armure, ça te fait du 31 000, t'es bien. Moi, je mettrais. Ma pierre de moune douce, c'est la dame. C'est pour ça, des fois, il faut aussi suivre son intuition. Hein. La dame, ça fait quoi? Augmente vos résistances physiques et magiques de 2744. On va changer, c'est ça que t'as dit? Non, tu peux pas changer. D'accord. Sinon, ça te fait descendre bien en dessous du cap. Et c'est les 50 points. Tu as très bien résumé le truc. Qu'est-ce que j'en fais? Je veux dire, c'est des pistes. Et après, les 50 points, tu modules pour moi, il faut que tes envies les aussi. Ils sont à peu près bien. Hein. Bon, honnêtement, tu vois, j'ai. Après. Les quoi? Les 50 points en guerre que tu m'as. Honnêtement, moi je te le dis, hein, Hippocrate a raison. Hein. Au tout début, je suivais plus ou moins la ligne que donnaient les astres. Puis petit à petit, t'apprends, et puis tu fais attention aussi aux compétences, tu vas dire putain, ça c'est pas mal, et tu vas ajuster après. Mais après, je crache pas dessus, au contraire, hein, ils donnent des pistes, c'est bien pour des gens qui débutent, quoi. Attends, il me dit que j'ai pas attribué les points, mais si. Ah, vous avez quitté l'écran de champion sans avoir confirmé vos changements.
Mais si, monsieur, je l'ai fait. Je vais faire un petit tour, hein, je reviens. Attends. Attends, non, on est là. Non. On est là. On en a pour 2 minutes. Mais non, je suis juste là. Je ne vais pas me friter. 27 700 de vigueur. Ouais. C'est mieux, déjà. C'est un peu mieux, ouais. Bon, très bien. Let's déjà, go. C'est un peu mieux. Après, 7 de monstre, santé. Santé. Ouais. Je pense même que tu devras splitter les deux, la tête et les épaules, pour avoir. Pour prendre le maximum de santé. D'accord. Santé, mais pas des pieds. Et après, ça va faire juste. Hein. Et pourquoi je suis juste comme ça ? Nous sommes presque libres. Il ne reste plus qu'une seule chose. J'ai réussi à acquérir un sort. Le temps s'écoule différemment dans l'éternité. Je... Allez, on saute. Bien. Bravo. Mmh. Sinon, on prend le chemin. Ah oui. Mais tu sais qu'on est obligé pour la quête, elle est là, princesse. Oui, l'ami. Pourquoi ça, moi, que tu dis ça? Bah, parce que tu lui as parlé? Non, j'ai rien dit, c'est Valkat qui a parlé. Non, que lui ait parlé, oui. Et je te parle de, comment ça s'appelle, la petite nana qui nous dit de sauter dans le vide. Oui. Franck, soigne-toi. Trop tard. Franck. Non, mais c'est pas grave, c'est moi. C'est moi. J'ai voulu essayer un truc et effectivement... Le problème, c'est qu'on est obligé de... Putain, on est con, on est débiles les gens, je vous dis, moi. Pourquoi ? Il faut qu'on soit obligé de tout refaire. Franck, soigne-toi, putain. Non, mais c'est tu bon. Tu me stresses. Non, c'est bon. Il faut que tu te soignes, là. En tant que healeuse dans l'âme, me stresses. Non, mais ne t'inquiète pas, c'est bon. J'ai compris ce qui n'allait pas. Mais détendez-vous, c'est bon. Putain, j'ai cru que j'allais tomber. Et on est où de ces régènes? Ah, tu en es où, toi, princesse? Régène. Alors, récup de magie, ça, on s'en fout. Récup de santé, je suis à 500. Récup de vigueur, 1100. Oh, la vigueur, c'est pas mal. Oui. Et il nous reste toujours ce boss-là, à droite. Je sais plus comment on fait pour y aller. Lequel? Alors, celui qui est... De quoi? J'ai du monde sur toi. Oui. Non, mais je sais comment on va faire. Ça y est, t'as trouvé une idée? Ouais, j'ai trouvé. T'as quoi comme effet d'armure? Enfin, comme trait d'armure. Alors, tu m'as dit de mettre solide sur les moyens et infusé sur les lourds. Maintenant que je suis CP 250, ça serait bien que j'optimise un peu. Oui. Et tu as quoi sur les lourds? Infusé. Non mais comme vigueur, santé, les deux. Alors. Les trois, enfin, je veux dire. La cuirasse, j'ai santé. La taille, j'ai vigueur. Les pieds vigueur, les jambes santé, les bras santé, et épaules et tête, je vais rien dire parce que c'est des trucs random. Tête, il te faudra infuser. Mm-hmm. Et il te faudra Tristat. Ok. Et épaules, en fonction de combien il te manque pour arriver à 40. 1000, tu mettras santé. D'accord. Et ça devrait passer. Après, si ça passe pas, il faudra changer un trait pour mettre un fusil. Ok. Sur un truc de santé. Mm. Si,
possible un des trois moyens. Ok. En deux, c'est vraiment trop léger. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est pas grave, on va les tuer. J'aime bien le c'est pas grave, on les tue tous. Ah, t'as qu'à faire. Bon, on y est, on y est. Ah bah elle est en face. Elle est mourue, la petite dame. Et oui. Ah, celle-là, je te la file pas, hein. De quoi ? Je vais looter la masse. Niveau 44. Mais je l'ai, la masse. La masse à deux mains. Ah ! Autant pour moi. Je vais la vendre. Mais t'as bien raison. Ah bon ? Tu vas la vendre ? Ah oui. Elle est en violette. Ah, bien. Ah, mais je peux pas la vendre. Je suis obligé de la... Je l'avais pas. Ah non, mais je la vends pas. Non, mais au final, il vend pas. Vous m'accordez 2 minutes? Non, parce qu'il y a le boss qui va pas. Trop tard. Faudrait que tu y la... Oui, ça marche. Ah non, il y aura pas besoin. Bah, en même temps, je l'ai fait, donc... Oh, la hache tisienne. J'ai plus de place. Oh bah, je l'ai, la... Ah bah, c'est une hache à une main, tiens. J'ai looté la hache à deux mains. Ah bah, je suis content. On tient des balistes et machin. Ouais, bon, c'est bien, je suis content. Bon, bah, tu l'as la hache à deux mains ? Tu veux que je vérifie ? Ouais. Toute petite seconde, ma poule. Alors, havre glace. Et si tu ne peux nous. Alors, stygien. La hache à deux mains. Oui, c'est la hache à deux mains que j'ai. Ah, parfait. Tu avais mauvaise conscience, c'est ça ? Je veux pas te la filer. Non, y a rien de l'autre côté. Non, princesse. Reviens, y a rien. Je l'ai fait. Tu peux revenir. T'es assez perturbant quand même. Oui, je sais, mais y a rien. Vraiment, y a que dalle. C'est fini. Non, on peut repartir. Non. Je te fais confiance. Hein. Ah oui, là, tu peux. Moi, il dit que le boss, on l'a pas fait encore. Hein. Comment ça ? Mais si, on lui vient de faire. Mais y a un deuxième boss, hein. Mais on en a fait deux. Bah, il est où alors ? Bah, il y avait le dragon, ouais. Et il y avait la Vrendi, là, qu'on vient de buter. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais sur ma carte, ouais. J'ai toujours un boss en noir. Mais il est plus haut, défi en groupe. Défi en groupe du village des perdus. Ouais. Mais non, mais il est plus haut.
Il est plus où? On l'a pas fait. D'accord. Ouais, ouais. Et le pepperoni, il est en haut, hein. Ah, il y a moyen de monter. Eh ouais. Là, on va à l'endroit de la quête de tout à l'heure. Attends, il est pas chou. Ah. Eh bien, cette compétence. Laquelle? Laquelle? Pour drainer la vie. Ouais. Non, mais ça aide, quoi. C'est le petit coup de pouce. Bah, écoute, j'essaye de monter toutes les compétences, hein, donc... Ouais, mais t'es pas obligé de les utiliser pour les monter. Oui, je sais, mais bon... Faut juste les avoir dans ta barre. Hein? De la curiosité. Ah, c'est un vilain défaut. Ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Attends, les deux boss sont passés en blanc maintenant. Les deux, même celui de groupe? Ouais. Ah bah c'est bon, je l'avais fait. Ouais. Du coup, il reste celui qui est sur l'île, là. Et on s'arrache. Laquelle? Alors, à droite, tu vois qu'il y a une grosse île avec deux boss. Au sud de cette grosse île, tu as une autre île, on va dire moyenne, avec un boss dessus qui s'appelle Massius Cento. Oh, je sais plus comment on fait pour y aller à celle-là. C'est un portail. Mais alors, lequel? Le gag. Putain, j'ai refait les cœurs de Dédra. Ah oui, ça par contre... Ça en fait. Hein. Ah, c'est la bonne nouvelle. Hein. C'est la bonne nouvelle de la journée. Le portail est sur l'île au nord-ouest du boss. C'est ce que me dit Siegfried. Ah ouais, je vois. Donc il est là. Let's go. Donc je crois que c'était celui de droite. Là. Pour aller sur la fameuse île. Celui-là. Ouais. Il me semble. Bah, de toute façon, on va... Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que c'est celui-ci? Vérifier la carte. Non, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Ouais. Dans la joie, la bonne humeur. On l'a
l'avais pas vu à l'aller ce portail. Non, moi je l'ai raté la première fois. Attends, Non, j'ai fait la même erreur. Hein. T'as qu'à faire. Hein. Bon, écoute. Au moins on rigole. On va gratter un peu. Ouais, c'est ça. Et voilà, il est là. Guten Tag. Oh, la masse d'armes. Ah, bien. Ça fait plaisir, par contre. Et un coffre. Le coffre. Voilà. Ok, bien vu. Oh non, poupette. Putain. Non, en plus, c'est la mienne, tu vois. Genre, dans 2 minutes, vous allez attendre un... Oui. Comme une petite alarme. Ouais. Il y a 3 connards là. Pardon, tu veux dire y avait ? Voilà, y avait. Et allez, vous avez tout rendu ? Oui. La quête, l'entre, enfin le donjon est en blanc ? Oui. Affirmatoire. Allez, c'est parti. Non mais les gars. Quoi ? Je me TP. Ah, tu te TP. D'accord. Psst, princesse. Oui. C'est bon. Il est trop rapide. C'est bon, vous pouvez vous TP. En cours. Merci, Siegfried. Ah. Ouais, merci. On était passé complètement à côté. Ouais. Mais tu sais que j'ai fait la même connerie. Ah oui, non, mais j'ai fait 4 fois le tour. Ah non, mais moi, la première fois que j'ai fait. Moi, je peux plus le voir, ce donjon. Je peux plus, quoi. Mm-hmm. C'est impossible. Bon, allez, je les craft. Alors, les 7 monstres. Je m'y suis perdu dans ce donjon, jamais j'y retourne. Je crois qu'on l'a tous fait. Ah ouais, c'est l'enfer. Putain, mais quel emmerdement celui-ci. Je sais pas combien de temps j'y ai passé, quoi. Alors tu as Julie, les égouts d'Alt voix qui rajoutent de la santé. Ah, t'es allé vérifier ? Ouais, je suis en train là. Est-ce qu'il y en a un deuxième au cas où ? Ne faites pas attention. Oh putain, mais quelle emmerdeuse ce chat. Une seconde, poupette. Je crois que tu vas pas trop avoir de choix. Le repère du croc.
Oui, à quoi ça sert que du coup il se décarcasse? Voilà, je l'ai fait. Voilà, non mais voilà, c'est tout. Vous n'avez pas à relever. Oui, merde, j'arrive. Une seconde. Et ça te ferait 2400 en plus. Ce qui te fait... Je peux pas 36... me débarrasser, merde. 36, 37 000. Je suis à 32 là. Ouais, mais au final, ça te ferait 36 000. Mais ça me rajoute 2000. Hmm. Mais avec la bonne nourriture, ça te rajoute 1000 de plus. Oui. Oui, oui, oui. Faudra... Après, pour un tank qui ne fait pas de... de vet, ça passe. Ou alors, il faut que tu esquives énormément en vet. Mon perso est nul en fait, c'est ce que tu me dis. Non. Attention, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était complexe, je te l'avais dit. En dégâts des armes, t'as combien? Petit plus. 2300. T'as quoi comme enchantement sur. T'es à l'arme à deux mains là? Alors attends, parce que je ne t'ai pas tout dit, Falcat. Nous allons savoir la vérité. Je t'ai dit que j'avais tout. Il y a un élément qui me manque, c'est l'épée à deux mains. Et parce que j'étais en train de faire la recherche. Et la recherche est finie, et il faut que j'aille la faire. D'accord. Mais tout le reste, j'ai. Tout le reste, j'ai. En quoi tu veux la faire? Je reviens dans deux minutes. Je mets en pause, j'arrive. Okay. Ouais. Le bouclier, il a pas l'enchantement? Revoit à tous. Oups là. Ouf. Le bouclier, il a infusé vigueur. Il est vigueur. L'enchantement, c'est vigueur. D'accord. D'accord. Alors, pourquoi j'ai un petit casque rouge? Parce que ton équipement est pété. Ah, c'est ça. D'accord. Et je passe mon temps à le réparer. Et c'est vrai que là, je l'ai pas fait. C'est juste. Oui. Ouais, tu peux. Tu peux parce qu'il te manque de level et. Oui, oui, non, mais je préfère. C'est parce que ça. C'est bon. Je paye pour les réparations et c'est good, tu vois. Bon, bah écoutez, vous voulez qu'on s'arrête là? Ouais, on va s'arrêter là. Ok. Je me positionne, comme je fais d'habitude. Positionne, et... positionne. Ouais, je positionne toujours mes persos, toujours en face, tu sais, du... C'est important de savoir se positionner. Oui, bah, au-delà de te moquer de moi, je me positionne toujours vers celui qui s'occupe des montures. Comme ça, ça me permet d'être tranquille. Ah. Bah oui, banane, comme ça, je vais de suite devant lui. Ah. Et après, je fais ma tournée. Je fais pareil. Tu vois, on est deux vieux cons et on a nos habitudes. En tout cas, merci à tous pour votre présence sur ce live Tezo. Merci, au-delà de votre présence, pour vos soutiens respectifs. On va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Merci Falcat, merci Princesse, en tout cas, pour la soirée. Merci. C'était vraiment excellent, merci. Comme d'habitude. Mais et objectif atteint, surtout. Mon reroll est 50, ouais. Oui. Ton reroll est 50. J'ai réussi à récupérer un bon morceau du trameur. On a une soirée plutôt remplie. Oui. C'est bien. Donc oui. C'est plutôt positif. Oui. On se retrouve ce soir pour la suite de Layer of Fear 2. Donc je crois qu'il reste à peu près une heure, les enfants. Et ensuite, on partira sur une découverte d'un jeu. Alors, c'est un peu particulier parce qu'il est très pixel, d'accord. Mais c'est sur la période de la guerre du Vietnam. Pour ceux qui aiment bien cette période, je vous engage à venir sur le live. Vous allez le découvrir avec moi. Franchement, petit jeu indé, bien sympa. Je l'ai testé hors cam en plus. Comme quoi, un coup de bol. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci à tous. Ciao les gars. Bonne nuit. Ciao ciao.